On met en réseau aussi les associations donc du réseau FUP, ces 400 associations, pardon. C'est organiser des rencontres, les accompagner dans leur développement. Et on promeut aussi le vélo auprès de tous les publics, donc à travers plusieurs programmes, par exemple le programme Alvéole, il y a aussi de la vélo-école ou le marquage Bicycode. Donc ces formations-là, on propose nous des cycles de formation à destination des associations de notre réseau pour leur permettre de monter en compétence sur certains sujets. Et ce webinaire, c'était l'occasion d'aborder un sujet plus théorique et de l'ouvrir aussi à d'autres personnes que uniquement les associations du réseau FUB. Donc bienvenue à celles et ceux qui ne sont pas membres du réseau. Il y a à peu près un tiers d'inscrits qui n'est pas membre d'une association FUB. Voilà, je vous fais, avant peut-être de laisser Joseph présenter Aurélien, je vous fais un petit point sur le fonctionnement de Zoom. Vous pourrez tout au long de la présentation noter vos commentaires dans l'outil discussion qui est en bas de votre écran au milieu. Vous pourrez aussi poser vos questions en cliquant sur Q et R. On vous répondra soit en direct par écrit, soit on pourra lire vos questions aussi et Aurélien pourra éventuellement y répondre si le moment s'y prête. Vous pouvez aussi vous renommer en cliquant sur participants. Donc sur la droite, vous avez un bandeau blanc qui s'affiche. À côté de votre nom, vous pouvez cliquer sur plus et par exemple indiquer le nom de votre association. Ça permet d'avoir une idée de qui prend la parole dans le fil de discussion. On a prévu deux temps d'échange qui vont vous permettre de poser vos questions un peu, de manière un peu plus interactive, donc au milieu de cette présentation et à la fin. À ce moment-là, vous pourrez lever la main, enfin, demander à prendre la parole et on pourra vous donner la parole le temps que vous posiez votre question ou si vous avez des remarques, des commentaires à faire. Je vous enverrai le support de présentation ainsi que l'enregistrement du webinaire demain ou après-demain. Et vous recevrez aussi ce soir un lien pour remplir un questionnaire d'évaluation. Ça permettra à Aurélien de voir si sa présentation vous a plu, ce qu'il pourra améliorer pour une prochaine fois et à nous aussi d'améliorer le format. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, c'est vraiment plus sympa si c'est interactif, si vous avez des questions. On a aussi prévu deux petits sondages, des questions qu'on vous posera sous forme un peu de quiz au début pour tester vos connaissances sur la question et vous permettre de participer. C'est très simple, ça s'affichera simplement sur votre écran. Et si vous avez un souci, vous pouvez aussi envoyer un message personnel à Joseph ou à moi et on pourra vous aider. Je laisse la main donc à Joseph pour nous présenter Aurélien Bigot, donc Joseph qui est administrateur à la FUB et qui peut un peu nous présenter le sujet de ce soir. Oui, alors il y a déjà quelques questions logistiques sur le fait que les gens ne voient pas le truc participant. J'imagine que c'est par rapport au levage de main. Il doit normalement y avoir une case lever la main et nous, on verra qui lève la main. Pour votre information, du coup, il y a 62 personnes dans cette salle virtuelle, sans compter les quatre panélistes. Du coup, voilà, moi, j'ai proposé l'organisation de cette conférence, on va dire. Donc je connais Aurélien pour vous raconter ma vie et la sienne d'ailleurs. Désolé Aurélien. Donc la sœur de Aurélien était salariée de Pignon-sur-Rue à Lyon. Et c'est un peu comme ça que les liens se sont faits. Il y a différentes connexions à droite à gauche, mais voilà. Je vais quand même donner un tout petit peu de contexte plus rigoureux, à savoir que si je me trompe pas, Aurélien, t'es diplômé de l'UTC. Non, c'est pas UTC, c'est une autre école d'ingénieurs, mais je ne me rappelle plus laquelle. Ou de géologie. Bref. En effet, j'ai commencé par la géologie, après de l'économie de l'environnement. C'était ma sœur. D'accord, voilà. Donc, tu n'as pas commencé dans l'économie des transports. Et puis, tu t'es lancé dans l'économie des transports avec cette thèse donc, que tu as soutenue en décembre. Fin novembre, ouais. En novembre. Voilà. Et pourquoi on t'a proposé de venir? Bon, moi, je connais ta sensibilité à la question environnementale de manière générale, mais aussi ton sens de la pédagogie. Tu as un compte Twitter que je vous invite à suivre pour ceux qui sont dessus, parce qu'il y a régulièrement des fils particulièrement intéressants et pédagogiques. Voilà. Et puis, je trouve très intéressant ton travail, à la fois le côté très rigoureux, enfin, énormément de sources qui sont compilées de manière très didactique et très lisible.
Et puis surtout, souvent, la conclusion de tes travaux vont globalement dans le sens de ce que nous, on promeut à l'AFUB, à savoir une sobriété dans les transports, quoi. Voilà, c'est ça un peu l'objet général. Après, moi, je voulais aussi dire un petit mot sur pourquoi un webinaire sur la question globale de la transition énergétique dans les transports. Je pense qu'en tant que militant vélo, on est souvent un peu le nez dans le guidon, concentré sur des petits projets, voilà, telle piste, telle problématique locale, ou des problèmes d'organisation interne, voilà, on manque de moyens, on manque de choses. Et voilà, ce webinaire, il va peut-être nous permettre de prendre un peu de hauteur pour nous poser la question de la place du vélo dans le système de déplacement plus général, et notamment se poser la question de dans quelle mesure le vélo peut jouer un rôle crucial ou suffisant, ou utile au moins, dans la transition énergétique dans les transports, à savoir voilà, éviter que la planète s'écroule terriblement par manque de pétrole ou à cause du changement climatique. On risque d'en arriver à la conclusion que ça ne va peut-être pas suffire de mettre tout le monde sur des vélos si par ailleurs ça ne bouge pas ailleurs. Mais je pense que ça nous permettra aussi de nous dire, voilà, on participe d'une histoire beaucoup plus générale en militant pour le vélo localement dans nos territoires, aussi divers soient-ils. Voilà, on met plus qu'une petite pierre, je pense qu'on participe amplement à un mouvement plus général, grande révolution nécessaire dans notre manière de vivre. Voilà. Du coup, Aurélien, je te laisse la main. Juliette l'a dit, on va essayer de couper l'exposé en deux pour pouvoir éventuellement interagir au milieu. C'est parti. Voilà, parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Juliette et Joseph aussi pour toute l'organisation en amont. Donc place au temps de présentation qui va commencer dès le départ, en effet, par deux questions de quiz. L'idée, pour donner un peu le cadrage sur ce que je vais évoquer et ne pas évoquer dans la présentation, et puis après, de toute façon, souvent les temps d'échange et de questions sont là pour évoquer ce que j'ai oublié ou ce sur quoi je n'ai pas assez insisté à votre avis. En gros, je vais surtout essayer de placer le vélo dans le contexte global de la transition énergétique. Donc, j'aurai des cadrages assez globaux dans un premier temps pour voir un peu quels sont les grands leviers de transition dans les transports, dans la mobilité des voyageurs en particulier. Et puis après, dans un second temps, essayer d'aller un peu plus en profondeur sur la place du vélo, quels sont les potentiels si on reporte une bonne partie de nos trajets vers le vélo, quels sont les potentiels en termes de baisse d'émissions de CO2 en particulier, et puis comment interagir avec les autres composantes aussi du système de mobilité qui doivent évoluer pour tendre vers nos objectifs climatiques. Notamment les objectifs qu'on peut avoir d'ici 2050. Il y a beaucoup de sujets du coup en lien avec le vélo que je ne vais pas aborder, même si je les trouve très importants, que ce soit aussi bien lié aux impacts sur la santé du vélo, que ce soit la pratique qui doit augmenter dans toute la population, y compris notamment chez les enfants, les politiques publiques pour avoir un système vélo plus efficace et qui maille bien tout le territoire, comment faire évoluer la culture autour du vélo, etc. Ça, c'est tous des sujets passionnants, mais que je ne vais pas énormément aborder. Je vais essayer plutôt de montrer si jamais on a du coup des politiques publiques qui vont dans le bon sens et tout un écosystème vélo qui va dans la bonne direction, jusqu'où on peut aller et quels impacts en termes de transition énergétique. Et puis je ferai un focus essentiellement sur les voyageurs, je ne parlerai pas vraiment de cyclo-logistique, etc., même si on pourrait y revenir éventuellement dans les temps de questions. Je vais commencer du coup par une petite question. Je vais vous afficher tout de suite le sondage. Normalement, vous avez deux questions qui vont s'afficher sous vos yeux. Ces questions-là, pour l'introduction assez générale, c'est pour comprendre les objectifs climatiques de la France. Notamment les objectifs climatiques qui sont régis par la stratégie nationale bas carbone, qui est un document qui définit quelles sont les grandes orientations climatiques de la France, quels sont ses objectifs. Et du coup, la première question, c'est de demander
par combien la stratégie nationale bas carbone prévoit de diviser les émissions sur le territoire. Donc, on ne compte pas les émissions liées, par exemple, à l'empreinte carbone de manière générale. Donc, on ne compte pas les émissions apportées, etc. Donc, par un facteur combien la stratégie nationale bas carbone prévoit de diviser les émissions donc, entre 2019 et 2050. Et puis, la question numéro 2, c'est à peu près la même. C'est pour regarder en particulier sur le secteur des transports. Donc, transports ici confondus voyageurs et marchandises, mais vous verrez que c'est à peu près la même chose en termes d'objectifs. Je laisse encore un petit peu tourner le sondage parce que je vois que ça augmente pas mal. On est à 60% de votants. Vous pouvez continuer. Et je ne sais pas si quand je mettrai fin au sondage, est-ce que tous les participants verront la réponse? Oui, tu peux afficher les réponses aux participants. Il y a un ok, je vois qu'on est à... Parfait, ok. Bah, je mets fin au sondage. Je vois qu'on est à plus de 85% de répondants qui ont répondu. Mettre fin au sondage, est-ce que vous voyez bien les résultats en principe? En tout cas, sur la première question, je ne sais pas si vous voyez les résultats. Sur la première question, ce qui ressort le plus, c'est divisé par 4. Donc, il y a 40% des répondants qui ont répondu cela. Il y en a quelques-uns après par 10, puis ensuite par 2, par 6. Après, c'est un petit peu plus éclaté. La bonne réponse, donc ça, on verra après, c'est plutôt l'ordre de grandeur, c'est plutôt 6. Et sur le secteur des transports, là, on avait des choses où le principal chiffre qui avait été donné, c'est divisé par 10. Puis ensuite, on a divisé par 6, par 4, par 2, par 30, puis par 1,5. Et là, la bonne réponse, on verra que c'est par 30. Donc, on a un petit sujet avec les transports, c'est qu'il faut quasiment arriver à zéro d'ici 2050. Je vais vous montrer ça avec quelques courbes. Pour regarder avec un point de vue historique, qu'est-ce que ça doit donner. On va regarder la courbe des émissions, donc tout secteur confondu de l'économie. Donc ça, c'est les émissions de CO2. On a des chiffres depuis 1960 jusqu'à 2019. Donc il y a eu un pic des émissions en fait au moment des deux chocs pétroliers. Le premier choc pétrolier a arrêté la hausse des émissions. Le deuxième a fait baisser à la fois la résidentielle, le développement du nucléaire participe aussi à ça. Il y a plusieurs secteurs qui ont participé à tout ça. Et puis, si on regarde tout gaz à effet de serre confondu, donc on prend aussi en compte notamment des émissions de méthane, des émissions de protoxyde d'azote, en particulier dans l'agriculture, on est plutôt sur des émissions qui sont en baisse sur les dernières années, les dernières décennies. Dans le même temps, les émissions des transports, par contre, celles-ci ont été assez régulièrement en hausse, au moins en tout cas jusqu'au début des années 2000. Et depuis, on est plutôt sur une stagnation, une légère baisse des émissions de CO2 des transports, qui aujourd'hui représente le principal secteur émetteur en France, avec en gros 30% des émissions qui sont des émissions du territoire. Donc, comme je le disais, sans compter les émissions importées, par exemple, quand on importe des produits fabriqués ailleurs, ça ne s'est pas compté dans nos émissions sur cet inventaire-là. Ensuite, on avait avant. Donc, ceux qui ont répondu 4, ça correspondait à l'ancien objectif. Avant, on avait un objectif qui s'appelait le facteur 4. L'objectif, c'était de diviser par 4 nos émissions entre 1990, où c'était en gros à 560, et 2050, où l'objectif, c'était d'arriver à 140 millions de tonnes équivalent CO2. Donc, ça, c'est l'ancien objectif. Et puis, à ce moment-là, on avait déjà une baisse des émissions des transports qui était assez forte, de l'ordre d'une division par 3 cette fois-ci par rapport à 2013. Donc ça, c'était la stratégie nationale bas carbone qui fixait cet objectif-là aussi. Et puis maintenant, on a un objectif depuis 2017 qui s'appelle la neutralité carbone. À quoi ça correspond, la neutralité carbone? C'est à la fois de compter l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, donc la courbe rouge tout en haut, mais aussi de compter les émissions négatives, c'est-à-dire des endroits où on peut capter du CO2, notamment via la croissance des forêts. C'est essentiellement ça qui nous permet chaque année d'avoir une partie d'émissions négatives en France. Et puis donc, quand on fait la somme en gros des émissions de la courbe rouge et des émissions négatives, on a cette courbe orange qui sont les émissions nettes de gaz à effet de serre.
Et l'objectif qu'on a avec la neutralité carbone, c'est que cette courbe orange, on arrive à zéro. Donc, un scénario de zéro émission nette, ça s'appelle zen, même si ça c'est pas forcément hyper zen d'aller jusque-là. En gros, ça demande de diviser très fortement les émissions de gaz à effet de serre, donc à peu près par un facteur 6. En gros, si vous faites 441 divisé par 80, on est plutôt à facteur 5,5. C'est un peu l'ordre de grandeur qui est important à retenir. Et dans le même temps, il faut aussi qu'on augmente les puits de CO2 pour que, en gros, les deux s'équilibrent. Donc, on arrive à moins 2, en gros à 0. Les deux s'annulent entre les émissions qu'il reste et puis les émissions qui vont être captées sur le territoire, en grande partie par la croissance de la forêt ou par des pratiques agricoles plus durables, et en plus petite partie, éventuellement, par des solutions technologiques de captage et de stockage du CO2. Et pour le secteur des transports, en gros, la trajectoire, c'est d'en arriver quasiment à zéro. Je vais là montrer l'autre graphique pour mettre plus en avant donc, la trajectoire des transports en particulier, donc uniquement les transports intérieurs cette fois-ci, notamment pas l'aérien, le maritime international. Donc on voit bien la forte augmentation jusqu'au début des années 2000, depuis une légère baisse ou stagnation ces dernières années. Et puis la trajectoire qui est prévue, c'est une très forte rupture, une très forte baisse des émissions de CO2 à l'avenir, pour en gros passer de un peu plus de 130 millions de tonnes de CO2 équivalent à 4 millions de tonnes en 2050, quasiment zéro. S'il reste 2 millions de tonnes en 2050, c'est parce que les transports ne sont pas complètement décarbonés, le transport maritime non plus. Et là, c'est que la partie du transport aérien intérieur, donc en métropole et avec l'outre-mer. Donc, c'est pour ça qu'il reste assez peu de millions de tonnes de CO2 en 2050. Et donc, la bonne réponse était en gros un facteur 30. Parce que voilà, si on divise en gros 130 et quelques par 4, on est un facteur un peu plus que 30. Donc il faut que quasiment toutes les consommations d'énergie des transports en 2050 soient décarbonées, donc ne fonctionnent plus avec des énergies fossiles, en sachant que le pétrole représente aujourd'hui plus de 90% des consommations d'énergie du secteur. Alors comment on peut faire? Oui, il y a juste Guillaume qui demande si, quand tu dis les transports, c'est 30%, est-ce que c'est tous les transports français confondus ou uniquement les déplacements de personnes? C'était sur le slide. C'était tout transport confondu. Donc là, c'était à la fois voyageurs et marchandises. Après, ce qu'il faut savoir, des petits ordres de grandeur qui peuvent être intéressants, c'est que sur les 30%, quoi, en gros, sur les émissions totales des transports, il y a à peu près les deux tiers qui sont liés aux voyageurs et un tiers aux marchandises. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 20% des émissions totales qui sont liées aux voyageurs et 10% des émissions totales en France liées au transport de marchandises. Et après, si on redécompose un peu au sein du transport de voyageurs, on a à peu près deux tiers qui est lié à la mobilité locale et puis un tiers lié à la mobilité longue distance. Donc, ça veut dire que la cible principale, par exemple, du vélo, c'est essentiellement sur de la courte distance, on va être sur une cible de, en gros, deux tiers de 20%, donc à peu près 13 à 14% qui vont être la principale cible en termes d'émissions pour le vélo. Sur la stratégie nationale bas carbone, n'hésitez pas à me recouper ainsi, il y a d'autres questions au fur et à mesure. Sur la stratégie nationale bas carbone, comment elle fait ou sur quel levier elle compte pour réduire les émissions? Elle met en avant 5 leviers pour réduire les émissions des transports. Donc, ces leviers, ce sont tout d'abord la modération de la demande de transport. Donc, c'est pour les voyageurs, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de kilomètres qui soient parcourus sur une année. Donc, c'est un levier un peu de sobriété, de comment penser l'aménagement différemment, comment changer un peu de comportement, réussir à réduire les distances domicile-travail jusqu'au lieu de commerce, jusqu'à nos activités, etc. Ça, c'est tout un facteur du volume de transport en nombre de kilomètres parcourus. Ensuite, le deuxième levier, c'est le levier du report modal. Donc, c'est faire en sorte que parmi tous ces kilomètres-là, il y en ait moins qui soient faits en voiture et en avion, mais beaucoup plus en transport en commun et dans modes actifs. Donc, c'est là que c'est dans ce levier-là en particulier qu'on va retrouver le vélo, la marche aussi, et comme le disait, les transports en commun. Ensuite, le troisième levier, ça va être celui du taux de remplissage. Donc, c'est de faire en sorte que les véhicules qui circulent soient mieux remplis.
Donc là, il y a notamment un potentiel qui est important sur le covoiturage parce que nos voitures, en moyenne, sont assez peu remplies. C'est de l'ordre de 1,6 personnes par voiture, tout trajet confondu. Donc, c'est plus sur la longue distance, c'est moins sur la courte distance. Et sur le domicile-travail, on est plutôt à 1,08. Donc, les voitures sont quasiment tout le temps à une seule personne. Ensuite, le quatrième levier, ça va être celui de l'efficacité énergétique des véhicules. Donc, cette efficacité, elle peut être améliorée à la fois par des progrès technologiques, donc en développant des motorisations plus efficaces, en électrifiant aussi les transports, mais aussi via des leviers de sobriété. Quand, par exemple, on parle de 110 km/h sur les autoroutes, c'est un peu dans ce levier-là que ça se retrouve. Donc, ça permet de consommer moins pour une même distance parcourue. Et quand on parle de réduire le poids des véhicules, ça, j'y reviendrai aussi, ça permet aussi de consommer moins pour un même véhicule et pour un même service rendu. Et enfin, le dernier levier qui s'appelle intensité carbone de l'énergie ou décarbonation de l'énergie, en gros, c'est de faire en sorte qu'on passe du pétrole, qui, comme je le disais, représente plus de 90% des consommations d'énergie des transports aujourd'hui, à d'autres énergies qui sont moins carbonées, donc notamment l'électrique, les biocarburants, le biogaz, l'hydrogène, bien sûr, à condition que toutes ces énergies-là soient produites de manière durable et avec peu d'émissions de CO2, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à remplacer le pétrole par d'autres énergies carbonées. Donc c'est un enjeu assez important aussi que cette énergie produite soit produite de manière durable en termes d'émissions de CO2, mais aussi d'autres impacts environnementaux. L'intérêt aussi de ces cinq leviers, c'est que en fait, c'est pour ça qu'il y a CO2 égal avec cinq leviers où il y a une multiplication à chaque fois entre deux, c'est qu'on peut suivre l'évolution des émissions de CO2 au cours du temps selon l'importance relative qu'a joué chacun de ces leviers au cours du temps. Donc ça, c'est ce que je vais montrer par le passé, à cause de quoi nos émissions ont augmenté ou baissé sur les dernières années, dernières décennies. Et aussi, on peut regarder de manière prospective d'ici 2050 quel est l'impact relatif des différents leviers sur les baisses d'émissions de CO2. Donc, je vais commencer. Caroline qui demande comment on connaît l'équivalent en CO2 économisé par kilomètre de vélo effectué. Alors ça, je reviendrai dessus. Et si jamais il n'y a pas la réponse, il faudra reposer la question. Si jamais j'ai pas donné assez d'éléments là-dessus, j'y reviendrai plus tard. Donc, on pourra réévoquer cette question à la fin si jamais il y a besoin de compléments. Sur l'explication de l'évolution des émissions depuis 1960, ça peut être intéressant de regarder justement historiquement quels sont les leviers qui sont les plus importants, les facteurs qui ont le plus contribué à la hausse ou à la baisse de nos émissions. Et c'est tout l'intérêt de la décomposition que je vais vous montrer. Ce qu'on a, c'est que du coup, on a pour les voyageurs, entre 1960 et 2017, une multiplication des émissions de CO2 par un facteur 4,2. Donc, ça veut dire que les émissions aujourd'hui, quoi, en 2017, sont un peu plus de 4 fois plus élevées qu'en 1960. Donc, il y a eu, comme on l'a déjà vu sur des cours précédemment, une très forte augmentation jusqu'à une sorte de plateau ou baisse depuis le début des années 2000. Ensuite, on peut regarder quelle a été l'importance relative des 5 différents leviers dans l'explication de cette courbe. Le premier levier, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Et comment est-ce qu'il a évolué depuis 1960? Eh bien, il a été en très forte hausse. Le nombre de kilomètres a été multiplié par 4,7. Donc, on se rend compte que ça a participé de manière majeure à l'évolution des émissions de CO2 parce que les deux courbes sont très proches. Pourquoi cette demande de transport a autant augmenté? Pourquoi le nombre de kilomètres parcourus en France a autant augmenté? Tout d'abord parce que la population a augmenté, de l'ordre de 43% sur la période, mais surtout parce que le nombre de kilomètres parcourus par personne a été multiplié par 3,3. Donc en gros, on était à une quinzaine de kilomètres, un petit peu moins même de kilomètres parcourus par personne en France en 1960. Et aujourd'hui, on est plutôt à 40 ou 50, en gros, selon qu'on considère ou pas aussi le transport international de voyageurs en avion. Ensuite,
L'autre élément qu'il faut regarder, donc comme je disais, les deux courbes sont très proches. Ça veut dire que le fait qu'on ait augmenté les kilomètres qu'on parcourait a contribué très fortement à l'augmentation des émissions de CO2. Et que dans le même temps, donc, les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru, elles ont très peu baissé. Parce que si jamais elles avaient baissé beaucoup plus fortement, donc les deux courbes entre demande de transport et émissions de CO2 seraient beaucoup plus détachées, alors que là, il y a seulement un faible écart qui se crée sur les dernières années. Donc, on a des émissions qui baissent un petit peu par kilomètre parcouru de l'ordre de 0,5% par an, mais c'est beaucoup trop faible pour une forte réduction des émissions de CO2 au cours du temps. Et ensuite, donc, cette courbe verte, on peut l'expliquer par le fait que les quatre autres facteurs, les quatre autres leviers, se sont beaucoup compensés entre eux. Donc, il y a des leviers qui ont joué à la hausse sur les émissions et d'autres qui ont joué à la baisse. Donc, pour vous donner un petit peu des grandes tendances, sur les leviers qui ont joué à la hausse, il y a le report modal. Pour l'instant, on a eu un report modal qui a été essentiellement dans le mauvais sens sur la période entière 1960-2017. Au début de la période, on a beaucoup remplacé des modes actifs, en particulier la marche, par des kilomètres en voiture. Donc ça a eu un effet négatif. Donc c'est pour ça que le facteur est supérieur à 1. En gros, si on avait toujours les mêmes parts modales qu'en 1960 aujourd'hui, on n'aurait pas, en gros, à cause de ce report modal négatif, on a des émissions 22% plus élevées que s'il n'y avait pas eu de report modal. L'autre effet qui a joué, l'autre facteur qui a joué dans le mauvais sens, c'est le remplissage des véhicules. Donc ce remplissage a baissé. On est moins nombreux aujourd'hui en moyenne par voiture qu'en 1960. Et donc ça a participé à la hausse sur les émissions. Ensuite, il y a deux facteurs qui ont joué à la baisse. Donc l'efficacité énergétique des véhicules qui s'est améliorée, donc notamment des technologies plus efficaces sur les moteurs, qui a permis de réduire les consommations d'énergie et donc les émissions des transports. Et puis enfin, le dernier levier, celui de la décarbonation de l'énergie. Comme je le disais, on est encore beaucoup au pétrole. Donc ça s'est assez peu amélioré par le passé. Et là où ça s'est amélioré, c'est sur le développement des biocarburants sur la fin des années 2000, qui en réalité, quand on les regarde en analyse de cycle de vie de manière plus globale, pour regarder notamment l'impact de leur production en termes d'émissions de CO2 et aussi la possible déforestation qui peut être induite via la production des biocarburants, on se retrouve avec des émissions qui sont assez similaires au pétrole. Donc, si on considérait aussi les émissions des biocarburants, on aurait des émissions des transports de voyageurs qui seraient relatives, qui seraient à peu près constantes, en fait, depuis le début des années 2000. Si on regarde plus particulièrement sur les dernières années, sur les 25 dernières années, la période 92-2017, ce qu'on peut voir, c'est que les émissions ont augmenté, on a vraiment évolué de manière très très proche au nombre de kilomètres parcourus par personne. Et dans le même temps, on a eu une augmentation de la population qui a été compensée par la courbe verte de tout à l'heure, où en gros, on a des transports un petit peu plus efficaces chaque année. Et donc, ce qu'on voit là vraiment sur le lien entre ces deux courbes, on voyait tout à l'heure, depuis 1960, un lien fort entre la demande totale et les émissions de CO2. Là, on la voit encore plus sur les dernières années entre la demande par personne, donc les kilomètres parcourus par personne, et les émissions totales. Et donc, comme on a des kilomètres parcourus par personne qui sont à peu près constants depuis le début des années 2000, on a des émissions qui sont à peu près constantes parce que l'augmentation de la population est compensée par des transports un petit peu plus efficaces. Donc, ce critère du nombre de kilomètres parcourus par personne est très important dans l'évolution de nos émissions. Ça, c'est un message fort à retenir jusqu'à maintenant. Et puis, un des autres éléments qu'on peut citer aussi à ce moment-là, c'est que les émissions de CO2 par kilomètre ont quand même assez peu baissé, moins 12% en 25 ans, moins 0,5% par an, comme je le disais, et que ça, c'est quand même assez faible, et que jusqu'à maintenant, les politiques publiques liées au transport ont essentiellement essayé de jouer sur ce critère-là, c'est-à-dire qu'elles ont pas, il n'y a pas eu beaucoup de politiques publiques qui visait à réduire le nombre de kilomètres parcourus. Au contraire, il y a un certain nombre de politiques publiques qui encouragent plus de demandes, par exemple via de la construction d'infrastructures rapides. Ça peut avoir un impact à la hausse justement sur les kilomètres parcourus. Mais il y a assez peu de politiques, notamment d'aménagement du territoire, au niveau des comportements, etc., qui essayaient de jouer
sur le fait de vivre davantage en proximité, de réduire les kilomètres parcourus par les habitants, alors que jusqu'à maintenant, bah, c'est un facteur assez majeur d'évolution des émissions. Si jamais il n'y a pas d'autres questions à aborder dès maintenant, je peux passer à des éléments un peu plus en termes de prospective, maintenant qu'on est revenu sur certains éléments sur le passé. Moi, j'ai une question, j'espère ouais, qu'elle... vas-y. La question tu parles du report modal, donc il y a eu un effet négatif du report modal. En quelle mesure c'est lié à la chute de l'usage du train, que ce soit dans le fret ou dans le voyageur? Enfin, c'est quoi en gros le lien avec la trajectoire du réseau ferré en France, ce problème? Alors, les parts modales, depuis 1960, la part modale du train a baissé en gros sur les années 60 avant le premier choc pétrolier, mais davantage lié au fait que la croissance de la voiture était très forte plutôt qu'une baisse du train. Mmh. En gros, c'est que la voiture a été en telle augmentation que sa part modale a augmenté au détriment de la part des autres modes. Mais sur les dernières années, la part modale du train a plutôt été en légère augmentation. Donc, en gros, on était sur les transports intérieurs à peu près à 7,5% des kilomètres parcourus en train au milieu des années 90. Et aujourd'hui, on est plutôt à 10%, voire 10,5%. Donc, en gros, il y a eu 3% de part modale gagnée par le train sur les voyageurs disons, les 25 dernières années. Donc, il y a eu une évolution pour le train, pour les trains de voyageurs qui est plutôt positive, mais ça, en termes d'impact sur les émissions de CO2, ça reste assez faible, quoi. En gros, si on gagne 3% de part modale, en termes d'impact sur les émissions de CO2, c'est à peu près 3% d'émissions en moins pour le transport de voyageurs. Donc, c'est pas non plus négligeable, mais pour une politique qui a été très fortement poussée, ça reste une contribution assez faible. Donc, en absolu, le trafic de voyageurs dans le train n'a jamais baissé, c'est juste proportionnellement à la part de la voiture que ça a diminué, quoi. Voilà, c'est ça. Le trafic, en tout cas les trafics en absolu, sont assez dynamiques et encore sur ces dernières années, ça a tendance à augmenter. Après, ça dépend sur quel type de train on parle. Par exemple, les intercités ont beaucoup chuté après la mise en place des TGV, mais les TGV ont une croissance plus forte que la chute des intercités, par exemple. Okay. Et François-Régis demande si le nombre de voitures n'est jamais pris en compte. Alors, il n'est pas pris en compte là dans les cinq facteurs que j'ai montrés. Ce n'est pas un facteur à part entière. Mais en fait, l'augmentation du nombre de voitures a un impact à la fois sur le report modal, ça on s'en doute bien, mais très fortement sur l'augmentation de la demande. En fait, ce qui fait qu'on a parcouru de plus en plus de kilomètres au cours du temps, c'est le fait qu'on a eu accès à une mobilité automobile plus rapide, moins chère aussi en proportion de revenus, et qui nous a permis du coup de faire des déplacements plus longs et du coup de faire augmenter donc, ce nombre de kilomètres parcourus au total. Donc la hausse du nombre de voitures a un impact très direct là-dessus, c'est que comme l'équipement des ménages en voiture a augmenté, de plus en plus de personnes ont pu prendre la voiture et faire des longues distances et du coup faire augmenter ce fameux nombre de kilomètres parcourus au cours du temps. Et puis aussi, notamment sur les années 60, ça a pris du coup des parts modales à d'autres modes en pourcentage du nombre de kilomètres parcourus. Il y a deux autres questions qui, à mon avis, sont moins dans le cœur du sujet. Donc, ça dépend si tu veux avancer maintenant ou pas. Je pense qu'on peut avancer éventuellement. On fera la pause à mi-parcours. Et puis, peut-être les questions de compréhension au fur et à mesure. Et puis, sur celles un peu plus de débat, on peut les prendre sur les temps d'échange. Ça marche. Alors, sur la partie, voilà, comment s'aligner sur la trajectoire de neutralité carbone. Donc, l'objectif, c'est neutralité carbone. On l'a vu, c'est quasiment décarboner complètement le secteur des transports. Et ce que j'ai pu, dans ma thèse, c'est de la comparaison des scénarios de prospective français pour regarder quels étaient les potentiels des cinq leviers de décarbonation d'ici 2050.
Tout d'abord, je vais vous donner un peu plus de détails sur la fameuse stratégie nationale bas carbone, qui est du coup le document de référence du gouvernement et du coup de l'État actuellement sur le climat, et avec un détail qui est donné aussi bien pour les transports de voyageurs que de marchandises. Donc là, je vous montre des éléments sur les voyageurs. Donc, quand on regarde entre 2015 et 2050, comme on avait pu le voir sur des courbes tout à l'heure, l'objectif, c'est de baisser très fortement les émissions de CO2 d'ici 2050. En gros, il resterait quasiment rien en 2050. Donc, par rapport à un facteur 1 en 2015, en gros, on réduit par 99% nos émissions sur la mobilité voyageur en métropole. Ensuite, on peut regarder quelles sont les hypothèses qui sont prises ou comment contribuent les cinq différents leviers à cette baisse des émissions de CO2. Donc, tout d'abord, la demande de transport ne participe pas à la baisse puisqu'elle continue à augmenter. Dans le scénario de la stratégie nationale bas carbone, les kilomètres parcourus en France augmentent de 26% d'ici 2050. Donc, pour moitié, c'est lié au fait que la population continue à augmenter. Et pour autre moitié, c'est lié au fait que les gens continuent à faire un peu plus de kilomètres. Donc, on peut déjà se dire peut-être que la stratégie nationale bas carbone n'est pas très ambitieuse sur ce levier. C'est ce qu'on verra plus en détail ensuite. Ensuite, il y a le facteur du report modal. Donc, le levier de report modal dans lequel il y a notamment le ferroviaire et les modes actifs, comme j'avais évoqué, qui permet dans cette stratégie-là de réduire les émissions de l'ordre de moins 8%. C'est comme ça qu'on peut lire le 0,92. Donc, c'est une baisse des émissions relativement faible par rapport à ce levier. Ensuite, il y a le développement du covoiturage, donc le facteur de remplissage qui permet de baisser de 11% les émissions. Et puis enfin, il y a deux leviers qui sont beaucoup plus majeurs, qui sont l'efficacité énergétique, où là, la baisse est de l'ordre de moins 68%. Donc, on divise par 3 les émissions liées à grâce à ce facteur. Donc, on divise par 3, en gros, les consommations d'énergie par kilomètre parcouru par les véhicules. Donc, c'est beaucoup lié au fait qu'on électrifie les véhicules, donc ils consomment, le véhicule électrique consomme moins d'énergie que le véhicule à pétrole. Et puis enfin, ça, c'est des baisses d'émissions qui arrivent un peu plus tard, mais en gros, on en arrive à une intensité carbone de l'énergie qui est proche de zéro. Donc, c'est qu'on décarbone quasiment complètement l'énergie. Donc, on passe du pétrole, comme je le disais, à d'autres énergies qui n'émettent plus de CO2. Donc, ce qu'on voit sur ce premier graphique et qu'on peut voir d'une autre manière sur le graphique maintenant de droite, donc là, c'est les émissions. Cette fois-ci, le point noir, c'est en millions de tonnes de CO2 sur un pas de temps de 5 ans. Donc là, les émissions baissent à peu près de 7 millions de tonnes de CO2 sur la première période d'ici 2020. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Et donc, on voit quels facteurs jouent plutôt à la hausse ou à la baisse. Et ce qu'on voit, c'est que sur la période, en gros, les deux facteurs qui jouent très fortement à la baisse sur les émissions, c'est essentiellement l'efficacité énergétique des véhicules et l'intensité carbone de l'énergie, donc des facteurs assez orientés technologie. Alors que les trois premiers leviers, donc demande de transport, report modal, remplissage, qui sont plus des leviers comportementaux ou d'organisation des mobilités, d'aménagement du territoire, ceux-là vont moins participer, en tout cas, à la baisse des émissions. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer du coup ces facteurs qui sont indiqués ici dans la figure de gauche avec d'autres scénarios de prospective qui peuvent peut-être plus solliciter les leviers de sobriété. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans la thèse, où j'ai comparé 13 scénarios de prospective en tout. Donc là, je vous montre les résultats agrégés, mais je ne vais pas détailler cette figure, c'est plus pour vous montrer comment j'ai procédé. Donc, j'ai comparé avec d'autres scénarios qui sont des scénarios un peu tendanciels, genre on continue la trajectoire actuelle, et puis avec d'autres scénarios volontaristes sur la transition énergétique dans les transports, donc où les émissions de CO2 baissent fortement, et on sollicite plus ou moins les cinq différents leviers. Je vais vous montrer plutôt une figure qui compile un peu ces résultats, où je compare à la fois pour chaque levier, à la fois en haut, en rouge, la moyenne des scénarios tendanciels. Donc, dans la moyenne des scénarios tendanciels, les kilomètres parcourus en France continuent à augmenter de l'ordre de 20%. Et ce qu'on voit, c'est que le scénario de la stratégie nationale bas carbone, on était à plus 26%, est encore au-dessus de la moyenne des scénarios tendanciels. Donc, en gros, ça confirme ce que je disais tout à l'heure en intuition, que le scénario de la stratégie nationale bas carbone est assez peu ambitieux sur la baisse des kilomètres parcourus, puisque en l'occurrence, il y a plutôt une hausse des kilomètres parcourus d'ici 2050, et même un peu au-dessus que la moyenne des scénarios tendanciels qui peuvent exister.
Alors que dans d'autres scénarios beaucoup plus ambitieux, donc en faisant la moyenne des quatre scénarios les plus ambitieux, on pourrait en arriver plutôt à moins 10% de kilomètres parcourus, donc ça représenterait même plutôt moins 20% par personne, parce qu'il y a une hausse de la population d'ici 2050. Donc on pourrait être beaucoup plus ambitieux que la stratégie nationale bas carbone actuelle sur ce levier de demande de transport. Ensuite, sur le levier de report modal, il y a assez peu d'évolution, donc on est proche de 0% dans les scénarios tendanciels, donc les parts modales ne changent pas vraiment. Dans les scénarios les plus ambitieux, on est à moins 20% en gros d'émissions liées au report modal, comme je disais, depuis la voiture et l'avion vers les transports en commun et les modes actifs. Et puis, dans la stratégie nationale bas carbone, on était à moins 8%. Donc, on est, disons, à un niveau un peu intermédiaire entre le tendanciel et l'ambitieux. Donc, il pourrait y avoir aussi une ambition quand même plus forte dans le scénario. On est à peu près à des choses assez similaires sur le remplissage des véhicules, sur le covoiturage. Et enfin, sur les deux derniers leviers, qui sont des leviers dans tous les cas majeurs dans tous les scénarios. Donc, dans tous les scénarios, il faudra de toute façon des forts gains d'efficacité énergétique, notamment sur les voitures. Et il faudra dans tous les cas décarboner l'énergie qui est utilisée, donc sortir du pétrole pour aller vers d'autres énergies moins émettrices. Mais ce qu'on voit, c'est que la stratégie nationale bas carbone est encore plus ambitieuse sur ce facteur-là que d'autres scénarios qui sont déjà très ambitieux sur ce levier-là. Donc en gros, le fait qu'elle soit assez peu ambitieuse sur des leviers comportementaux l'oblige à être très ambitieuse, voire presque un peu irréaliste sur certaines hypothèses sur les leviers plus technologiques. Et ce qu'on avait vu aussi, c'est que à court terme, c'était essentiellement l'efficacité énergétique qui permettait de réduire les émissions, notamment d'ici 2050, d'ici 2020, par exemple, on voyait sur cette figure, d'ici 2025, c'est essentiellement en bleu clair l'efficacité énergétique qui permettait de réduire les émissions. Et le problème, c'est que les gains d'efficacité énergétique ont plutôt ralenti ces dernières années, notamment entre 2015 et 2019, les émissions de CO2 moyennes des véhicules neufs vendus ont stagné plutôt qu'une forte baisse qui était prévue dans le scénario de la stratégie nationale bas carbone. Donc le problème, c'est qu'il y a des chances qu'on loupe un peu les budgets carbone de court terme, comme on les appelle. En gros, la trajectoire d'émissions, de baisse d'émissions de CO2 des transports à court terme est plutôt qu'on soit sur des émissions assez stables. En dehors, bien sûr, de l'effet Covid qui va entraîner une baisse forte des émissions, mais qui sera uniquement temporaire. Mais en dehors de ça, les tendances ne sont pas alignées avec la stratégie actuelle. Il y a une question fort intéressante de oui. Est-ce que dans ton calcul de l'efficacité énergétique, ça prend en compte l'analyse du cycle de vie des véhicules? C'est une question de Sylvie. Non, je n'ai pas trop détaillé en effet les questions méthodologiques, parce que je me suis dit que ça n'allait pas tant vous intéresser que ça, mais du coup, je prends volontiers les questions là-dessus. Alors là, les émissions qui sont comptées dans cette analyse-là et dans l'analyse que j'avais faite sur le passé aussi, sont uniquement les émissions directes. Donc les émissions, en gros, de combustion, donc pour les voitures, les émissions en sortie de pot d'échappement. Le problème, c'est que si je voulais faire la même analyse en analyse de cycle de vie, y compris production du véhicule, pour les scénarios de prospective, en fait, je n'ai pas les données disponibles parce que, en général, ces émissions-là peuvent être comptées dans les scénarios de prospective, mais c'est dans un autre secteur que les transports. Et du coup, je n'avais pas les données nécessaires pour faire ça. Et mais du donc, coup, en effet, ça, j'y reviendrai aussi plus tard, mais sur la question du véhicule électrique, cette analyse-là a tendance à surestimer les gains qu'il y a via le véhicule électrique, parce qu'ici, c'est considéré que le véhicule électrique, c'est zéro émission. Et on voit bien que dans la stratégie nationale bas carbone, c'est un peu ça l'optique, c'est de se dire, dans tous les cas, il faut arriver quasiment à zéro, donc on développe le véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est zéro émission, et du coup, il n'y a aucun souci, il n'y a plus d'autres questions vraiment à se poser, donc il n'y a pas forcément besoin de réduire le nombre de kilomètres parcourus, de faire un report modal important, etc. Donc voilà, dans l'efficacité énergétique, c'est uniquement l'efficacité directe, entre guillemets, donc ça compte pas la production, par exemple, de l'électricité ou la production du véhicule. Donc c'est pardon, Joseph. Ça me semble un peu hallucinant, du coup, ce calcul. Oui, après, dans la stratégie nationale bas carbone, les émissions de production des véhicules peuvent être comptées autre part, notamment dans l'industrie, si jamais ce sont des véhicules qui sont produits en France. Mais dans le secteur des transports, on ne le voit pas. Et c'est un des problèmes en fait, de cette,
Comme je disais, j'y reviendrai plus tard, mais aujourd'hui, la majeure partie des émissions sont liées à l'usage des véhicules, donc au moment où on roule. À l'avenir, avec les véhicules électriques, la majorité des émissions seront à la production. Donc ça change un peu ça fait changer un peu de perspective, et ça nécessitera de produire moins de véhicules, des véhicules plus légers, etc., aussi pour baisser les émissions liées à la production de ces véhicules et à la production d'énergie aussi pour l'électricité. Et Hervé demande si on peut avoir un ordre de grandeur un peu de la proportion d'émissions de CO2 justement qui sont dues à la fabrication par rapport à leur usage. Ok, j'ai exactement une figure pour répondre à cette question plus loin, donc je vais continuer d'avancer pour essayer d'arriver jusqu'à cette slide-là. Peut-être juste, là je finis la première partie, et là on a un temps d'échange juste après cette slide. Sur le report modal qui est prévu dans les différents scénarios de prospective dans les transports, en gros, sur la mobilité des voyageurs, le report modal, comme je disais, il y en a très peu dans les scénarios tendanciels qui sont sur la gauche, et dans les scénarios plus volontaristes, dont celui de la stratégie nationale bas carbone, le report modal, il se fait essentiellement, en général, vers le ferroviaire et vers les modes actifs. Donc, dans modes actifs, il y a à la fois le vélo et la marche. Dans les scénarios les plus ambitieux, il y a un scénario de l'Idri, et notamment un scénario de la SNCF, ou plutôt commandé par la SNCF, où les modes actifs prennent quasiment 10% de kilomètres parcourus à la voiture. Et donc ça, à peu près 10% de capté à la voiture, en termes d'impact sur les émissions, c'est à peu près moins 10% d'émissions liées à ce report modal vers les modes actifs. Et donc là, comme on arrive dans un certain nombre de scénarios, quasiment un report modal de 20% des kilomètres parcourus, c'est en ça qu'on retombe sur l'ordre de grandeur de moins 20% que je citais tout à l'heure, en termes de baisse d'émissions liées aux facteurs de report modal. J'en ai fini sur cette première partie. Après, on pourra plus spécifiquement évoquer le sujet du vélo et non pas du vélo. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade par rapport à ce qui a pu être évoqué? Oui. Il y a trois types de questions, peut-être pour si tu veux y répondre de manière un peu commune. Il y a deux, trois questions sur la question du Covid. Est-ce que, alors du coup, ta thèse traitait de avant ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire du Covid? Qu'est-ce que ça a fait à la demande de transport? Est-ce que la hausse de la demande de transport a été arrêtée? Qu'est-ce que ça a créé en termes de report modal, au contraire, vers la voiture au détriment des transports en commun? Il y a un peu cette première question-là de Abel et de Gouttière. Il y a une autre question, une question affirmation de Jean-Luc sur la question de l'efficacité énergétique qui est non pas liée à la technologie, mais à la question du poids, de l'aérodynamisme et des choses comme ça. Et puis, une petite polémique proposée par Helmut sur le nucléaire. Est-ce qu'on peut considérer que l'énergie, une centrale nucléaire a une efficacité très basse, affirme-t-il? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais... c'était un sujet là-dessus. Et puis Fabien pose la question du lien avec la pollution de l'air. Si jamais c'est un sujet que tu as creusé, même si je pense que c'est un peu distinct. Donc. Ok. Je vais essayer de donner des éléments sur ces questions. Sur l'effet du Covid ou de la Covid, c'est encore assez difficile de voir, de chiffrer déjà ce qui s'est passé en 2020 parce qu'on n'a pas encore les inventaires des comptes des transports, notamment sur l'année 2020. Ça arrivera dans quelques mois. Donc, c'est encore difficile de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement en termes de comportement de mobilité. Il y a eu quelques enquêtes par-ci, par-là. C'est très différent selon les modes de transport. Si on regarde l'aérien a eu des émissions, enfin, un trafic qui a très fortement chuté. Après, c'est très différent entre les périodes de confinement ou les périodes de couvre-feu, etc., les périodes où on a pu recirculer. Après, sur les effets Covid à l'avenir, il y a des éléments très incertains, comme par exemple le sujet de l'aérien, à quel point ça va reprendre rapidement ou pas, à quel point les niveaux de trafic vont reprendre, à quel point les politiques publiques, d'un certain côté, pourront peut-être changer. On a vu qu'il y a eu des annonces sur l'abandon du projet du Terminal 4. Donc ça, c'est a priori, ils n'avaient pas des telles annonces avant la crise. Donc ce n'est pas forcément que pour des raisons climatiques qu'ils ont fait ça, même si on peut s'en satisfaire d'un point de vue climatique.
Et après, donc ça, c'est un facteur assez incertain en termes d'aménagement du territoire, à quel point sur le long terme ça pourrait peut-être pas forcément enclencher, mais renforcer des dynamiques qui pouvaient déjà y avoir de pas non plus le fuite, le mot est un peu fort, mais de fuite entre guillemets des métropoles et peut-être d'un rééquilibrage sur le territoire, de redynamisation de villes plus petites, plus moyennes, voire de zones rurales. Ça faudra voir à quel point il pourra y avoir peut-être des effets un peu dans ce sens-là liés à la crise qu'on a eue. Et après, sinon, il y a eu une sorte d'accélération des tendances sur certains secteurs qui impactent la mobilité, notamment on pense au télétravail, où ça a priori, il y a quand même des choses assez importantes qui ont bougé sous la contrainte instantanément avec la crise, mais qui pourraient perdurer pour les années à venir, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou de collectivités ou d'employeurs qui changent leur politique de télétravail au vu de ce qui s'est passé, au vu du fait qu'on n'est toujours pas sorti de la crise et des restrictions de circulation. Et puis aussi parce que ça a pu, pour certains employeurs qui étaient encore frileux au télétravail, donner, disons, envie d'aller un peu plus loin que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Et après, toute la question qu'il y a notamment en lien avec le télétravail, mais c'est valable aussi sur d'autres choses, c'est quels sont les possibles effets rebonds qu'il peut y avoir aussi. Typiquement, les gens vont moins se déplacer pour aller à leur travail, donc faire moins de trajets domicile-travail dans la semaine, mais est-ce que du coup ils vont en profiter pour se relocaliser plus loin de leur travail, pour faire d'autres trajets au quotidien qui sont plus ou moins polluants, pour peut-être partir plus longtemps en week-end si jamais ils peuvent faire un ou deux jours de leur week-end en télétravail à distance. Donc il y a tous ces effets-là qui va falloir aussi quantifier et essayer de regarder pour savoir à quel point ça peut être une tendance intéressante ou pas. Et après, sur l'effet vélo, ça forcément, avec le déconfinement, ça vous le connaissez mieux que moi. Donc il y a eu des effets vraiment intéressants en termes d'infrastructures, en termes de pratiques. Donc là, encore une fois, tout dépend à quel point à l'avenir ces politiques-là perdurent, à quel point les politiques publiques en profitent pour faire des choses ambitieuses aussi dans les années à venir et pas uniquement les aménagements temporaires, notamment qu'on a pu voir au premier déconfinement. Et après, quels autres effets je pourrais citer? Il y a en effet la crainte de la fuite des transports en commun et de retrouver plus de la mobilité individuelle mais motorisée. Donc ça, c'est aussi difficile de savoir à quel point les usagers vont reprendre les transports en commun plus facilement une fois la crise finie. Je pense que pour la longue distance, à mon avis, ça reprendra bien. Sur l'Île-de-France, j'ai peut-être plus, par exemple, de doutes à quel point sur les transports du quotidien, il n'y a pas un certain nombre de comportements autres qui ont pu s'installer et qui pourraient éventuellement s'inscrire un peu dans le temps aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont encore assez incertaines quand même pour l'instant, sachant qu'on n'est pas sorti de la crise, pour vraiment donner des éléments sur le plus long terme. J'ai été assez long sur ma première réponse. Sur l'efficacité énergétique et la sobriété. En effet, la grande question, quoi, le grand sujet sur l'efficacité énergétique, c'est que c'est un levier majeur pour tous les scénarios. Donc, dans tous les cas, il faut compter sur ce levier-là. Après, le problème, à mon avis, de la façon dont la question est prise par la stratégie nationale bas carbone, c'est que il y a des projections de gains d'efficacité énergétique extrêmement forts, mais qui sont un peu des gains espérés en termes de technologie, sans forcément qu'il y ait d'incitation nouvelle suffisante pour que les gains technologiques se réalisent vraiment. Donc, typiquement, il y a des technologies d'efficacité énergétique qui peuvent être plus chères, et bien il faut plus de contraintes ou des incitations financières sur la fiscalité, notamment plus fortes, si on veut que ça puisse encourager à acheter notamment des nouveaux véhicules qui sont beaucoup moins consommateurs. Et c'est exactement la même chose sur le poids des véhicules, où il y a eu beaucoup de pression qui a été faite, notamment pour avoir un malus sur le poids des véhicules, ou un système même de bonus-malus, idéalement, pour encourager les véhicules les plus légers, et y compris les vélos, qui sont des véhicules beaucoup plus légers que nos voitures actuelles, pour inciter justement à se détourner des véhicules les plus lourds. Et aujourd'hui, ce qui a été retenu par le gouvernement, et ça montre bien l'absence de sobriété qui est prévue sur ce facteur-là, c'est de
de garder un malus au poids donc, qui entrera en vigueur début 2022 à partir de véhicules de plus de 1800 kg. Et les véhicules de plus de 1800 kg sur l'année 2019, ça représentait 1,74% des ventes. Donc on voit bien que c'est une mesure qui est le plus un affichage qu'une vraie volonté de réorienter le parc, ou plutôt les nouvelles ventes de véhicules, vers des véhicules beaucoup plus légers. Et il y a aussi quelque chose qui est aussi assez inquiétant et qui est à mon avis pas du tout logique selon moi, d'exclure des véhicules électriques et des hybrides rechargeables de ce type de malus au poids, alors que les hybrides rechargeables, la moyenne de leur poids est au-dessus de 1800 kg, c'est trois quarts des hybrides rechargeables qui sont vendus sont des SUV, donc ce n'est pas du tout des véhicules écologiques. La voiture électrique ne l'est pas non plus, bien qu'elle soit meilleure quand même en termes d'émissions. Mais ce n'est pas du tout des véhicules écologiques et pourtant ils sont exemptés de malus au poids, ils ont des incitations fiscales intéressantes, des bonus à l'achat. Et donc oui, en effet, il y aurait besoin donc d'incitations plus fortes, notamment sur le poids des véhicules pour se tourner vers des véhicules beaucoup plus légers. Sur l'aérodynamisme, c'est aussi un levier à solliciter. Après, en termes de politique publique, je ne sais pas trop quelles sont les incitations à faire, mais il devrait y avoir des choses aussi dans ce sens-là. Réguler éventuellement la puissance des véhicules ou la vitesse maximale. On a aujourd'hui des véhicules neufs, des voitures neuves vendues, elles peuvent rouler en moyenne. Leur vitesse maximale est en moyenne de 186 km/h. Donc, on se doute bien qu'il n'y a absolument pas de besoin d'avoir des véhicules aussi rapides et des puissances aussi importantes. Donc, il pourrait y avoir des normes ou de la régulation sur ce genre de sujet. Et puis, enfin, la question de la sobriété sur la vitesse des déplacements aussi sur le 110 km/h, ça pourrait avoir un intérêt très important aussi en termes d'efficacité énergétique. En particulier sur les routes les plus rapides ou donc sur les autoroutes ou les routes nationales qu'on pourrait baisser, où on pourrait baisser la vitesse avec des gains donc de consommation assez intéressants. Et comme c'est des gains de consommation, c'est aussi des gains pour le porte-monnaie. Donc, c'est aussi une mesure qui peut être vue comme une mesure sociale, bien que ce n'est pas souvent présenté comme telle. Toujours sur le sujet de l'efficacité énergétique, sur le nucléaire. Alors là, on rentre en effet dans des petites subtilités de calcul de l'efficacité énergétique en notre énergie primaire et énergie finale. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on produit de l'énergie, de l'électricité nucléaire, il y a des pertes en effet importantes à la production, c'est-à-dire qu'il faut chauffer de l'eau pour faire tourner une turbine, et on perd beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie qui n'est pas utilisée pour produire de l'électricité. Donc, sur la phase entre l'énergie qu'il y a contenue dans l'uranium, dans l'énergie de base qu'on va chercher dans la nature, et l'énergie transformée qui est l'électricité, sur cette phase-là de production de l'électricité, il y a beaucoup de pertes énergétiques. En revanche, après, quand on utilise cette énergie électrique dans un moteur électrique, là, le moteur électrique est assez efficace. Donc, sur l'ensemble de la chaîne énergétique, il y a des pertes énergétiques qui sont assez fortes, mais qui sont surtout liées, du coup, à la production de l'électricité. Et donc, là, il y a un peu des guéguerres aussi en termes de comptabilité, mais en général, les énergies renouvelables sont comptées avec une meilleure efficacité énergétique, justement, sur la phase de production de l'électricité. Et la différence avec les véhicules thermiques, donc au pétrole, c'est que pour produire un carburant, entre le pétrole qu'on va chercher dans la nature et le carburant, une fois qu'il a été raffiné, sur cette phase-là, entre énergie primaire qu'on va chercher dans la nature et énergie finale qui est le carburant, sur cette phase-là, on a assez peu de pertes énergétiques. Donc le raffinage, ça ne fait pas perdre énormément d'énergie. Par contre, après, le moteur thermique, donc le moteur qui utilise le pétrole, est très inefficace. Donc, en général, les chiffres qu'on voit passer, c'est qu'en gros, il y a 75% de pertes énergétiques entre l'énergie finale et du coup l'énergie qui va être vraiment utile pour faire avancer le véhicule. Et du coup, sur la chaîne totale, encore une fois, il y a beaucoup de pertes, mais c'est cette fois-ci qui sont plutôt au niveau du moteur électrique. Donc, quand on prend des chiffres en énergie finale tels que je les ai, moi, dans les analyses qui sont réalisées ici, le moteur électrique, l'électricité utilisée apparaît
quoi, le moteur électrique apparaît plus efficace, donc nécessite moins d'énergie en énergie finale, donc en électricité. Mais en effet, il y a des pertes énergétiques qui sont liées, en tout cas pour le nucléaire notamment, mais pas que pour d'autres centrales, thermiques, qui sont liées à la production de l'électricité. Alors que pour le véhicule thermique, les pertes énergétiques sont plus au niveau du moteur. Je ne sais pas si ça répondra à... On est allé bien au fond de ce sujet qui n'était pas forcément au cœur de la thématique initiale. Il y a peut-être une dernière question sur le lien avec les particules fines éventuellement. Alors, le lien avec les particules fines, alors de manière générale, en gros, les différents leviers, en tout cas qui sont cités, les cinq leviers que j'ai pu montrer, sont des leviers qui permettent de réduire les consommations de pétrole, donc dans l'ensemble, qui permettent d'agir aussi sur la réduction des polluants atmosphériques. Après, la grande différence sur la pollution atmosphérique, c'est qu'on a davantage de technologies type filtre à particules, par exemple, pour la question des particules, parce que visiblement, c'était ça la question, qui permet, de, même si on consomme du pétrole, d'avoir des émissions qui sont assez faibles. Après, toute la question, c'est est-ce que ces technologies-là sont en place sur les véhicules? Pour les véhicules les plus récents, oui. Mais pour les véhicules les plus anciens, pas forcément. Et après, est-ce qu'elles sont aussi efficaces qu'annoncées? Et c'est là les scandales qu'il y a pu y avoir ces dernières années, où a priori, maintenant, il y a quand même moins de, je pense, d'écart que par le passé, mais je garantis pas non plus qu'on est à des niveaux d'émissions aussi vertueux que ce qui est annoncé. En tout cas, sur les émissions de CO2, par exemple, il faut savoir qu'entre les émissions de CO2 d'un véhicule thermique qui sont affichés et les émissions en usage réel, il faut rajouter à peu près 35% en plus. Donc, si on vous annonce, par exemple, une voiture à pétrole qui fait du 6 litres au 100, en conditions réelles, vous serez pas plus à du 8 litres au 100, par exemple. Donc, après, voilà, je ne sais pas si les ordres de grandeur sont similaires sur les particules, mais en tout cas, voilà, les différents leviers qui permettent d'agir sur les émissions de CO2, a priori, ont des bénéfices en général aussi sur la pollution de l'air, mais il faudrait rentrer encore plus dans les détails pour aller encore un cran plus loin. Je ne sais pas si on a le temps. On peut peut-être prendre une dernière question de Stein. Désolée si j'écorche le nom. Je peux peut-être vous donner la parole, comme ça vous pourrez la poser en direct. Normalement, là, si vous activez votre micro. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Ah, merci beaucoup. Non, c'est juste pour savoir si cette stratégie super ambitieuse sur l'intensité énergétique ne semble pas être réaliste. Est-ce que ça veut dire que la stratégie est caduque? Et d'ailleurs, quelles ont été les réactions par rapport à ton travail? Est-ce qu'on va dire, ben, regarde, il fait l'analyse, ça ne tient pas la route, il faut qu'on fasse quelque chose? Donc, c'est une double question. Est-ce que ce n'est pas réaliste et quelles ont été les réactions? Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour vulgariser ce travail, pour dire, ben, regardez, là, ça ne tient pas la route? Alors, est-ce que la stratégie nationale bas carbone est caduque? En tout cas, je pense que sur les prochaines années, on risque de ne pas atteindre les baisses d'émissions qui étaient prévues. On a pu voir, en tout cas sur les courbes, que sur les dernières années, on est sur des émissions assez constantes sur la mobilité. Donc ça, c'est si on décompose en différents effets, voilà, il y a la hausse de la population qui compense en gros les gains assez faibles qu'on peut avoir en termes d'efficacité des transports de manière générale. Et ça, il y a des chances que ça n'évolue pas assez vite dans les prochaines années pour atteindre les objectifs qui sont fixés actuellement dans la stratégie nationale bas carbone. Et le problème, c'est qu'il y a déjà eu une révision de ce type-là. Si je me souviens bien de mémoire, en gros, les émissions il y avait une première stratégie nationale bas carbone qui avait été réalisée en 2015. Celle-ci a été revue en 2019, ça c'est le processus normal, tous les 4 ou 5 ans que cette stratégie est revue. Donc il y a des mises à jour qui sont faites selon l'évolution des émissions notamment. Et ce qui se passe, c'est qu'entre 2015 et 2019, les trajectoires n'ont pas été les bonnes, et que du coup en 2019, la trajectoire des transports a été revue. En gros, plutôt que de faire une baisse des émissions comme ça, c'est on retarde un petit peu. Et puis, on fait des baisses d'émissions du coup plus fortes pour toujours atteindre un objectif important pour 2050, mais un peu plus tard.
Et en 2019, du coup, les émissions étaient de l'ordre de 16% plus élevées que ce qu'elles auraient dû être dans la, par rapport à la, ce qui était prévu en gros dans la stratégie en 2015. Donc, les émissions auraient dû baisser fortement, elles sont restées à peu près constantes. Donc, il y a déjà un écart qui a été constaté par le passé, et moi, mon hypothèse, c'est qu'il perdure à l'avenir. Si on enlève un peu l'effet Covid, où l'effet Covid va faire que sur 2020 et très sûrement aussi sur 2021, même si je ne sais pas dans quelle ampleur, les émissions auront fortement baissé, mais pas liées aux politiques publiques, mais liées voilà, à tout ce qu'on connaît ces derniers mois. Du coup, il est probable que dans la prochaine révision de la stratégie nationale bas carbone, je ne sais pas exactement quand seront les discussions, mais qu'il y ait du coup de nouveau ces questions qui soient posées de à quel point il faut encore revoir la courbe qu'on avait prévue, quel levier il faut renforcer ou pas. Mais après, au-delà de la stratégie nationale bas carbone, même si on, moi ce que j'en vois, c'est que même si on prouve qu'on n'est pas sur les, on n'est pas dans les clous, après les arbitrages ils sont politiques. Je pense qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas dans les clous, mais ils ne veulent pas faire les arbitrages qui nécessiteraient de l'être dans les toutes prochaines années. Donc, je pense que c'est important de comprendre la stratégie nationale bas carbone, comment elle est construite, sur quel levier elle repose, etc., pour voir est-ce qu'il y a un écart entre ce qu'ils annoncent sur le papier et ce qui est mis en place. Et en l'occurrence, oui, il y a un écart. Mais après, pour réduire cet écart, c'est politique, en fait, vraiment les changements. Et on sait, par exemple, que sur les leviers de sobriété, sur l'efficacité énergétique, tels qu'on les citait il y a quelques minutes, ben, il y a des choses à faire. Mais voilà, il faut que les politiques publiques soient mises en œuvre. Et par exemple, ben, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui prévoyait beaucoup de choses là-dessus, eh ben, soient mises en œuvre à 100% et pas avec une ambition très réduite comme c'est actuellement le cas, pour que, en tout cas, à l'avenir, on rattrape le retard qu'on a actuellement, en tout cas sur nos trajectoires d'émission. Et après, quel est l'accueil qui a été fait sur ma thèse? C'est un petit peu difficile à dire parce que je ne connais pas vraiment à quel point ils discutent de mes travaux et est-ce que ça les a fait réagir ou est-ce qu'ils savaient déjà tout ce que j'ai pu raconter. Donc, je pense que ça rejoint ce que je venais de dire avant sur la question des arbitrages. Je pense que peut-être ça, peut-être éventuellement, s'ils ne savaient pas tout de ce que j'ai présenté, ça leur a ouvert un peu plus les yeux sur le fait qu'il y a sûrement un écart entre ce qu'ils ont prévu et ce qui risque d'arriver. Mais après, voilà, la suite, c'est plus des arbitrages politiques pour voir comment passer à la vitesse supérieure. C'est la transition parfaite. Merci. Pour enchaîner voilà, sur aussi le si potentiel du vélo et puis un peu regarder en termes d'impact climatique. Alors, je passe la slide suivante. Alors, c'est le moment où on a de nouveau deux questions. Je vais lancer du coup un nouveau sondage. Sondage, vous devriez voir du coup aussi, vous pouvez commencer à voter. Alors là, la première question, c'est de savoir quelle est la un impact très fort sur les émissions. Et du coup, idéalement, il faudrait remplacer un certain nombre de kilomètres parcourus en voiture, notamment par des kilomètres parcourus à vélo. Et la question consiste à regarder de où on part. Et la deuxième question, c'est de regarder pour la pratique du vélo aux Pays-Bas, combien de fois elle est plus élevée qu'en France. Est-ce qu'elle est 2 fois plus élevée, 15 fois plus élevée ou autre? Comme je vois que le pourcentage de votants augmente progressivement, j'attends encore un petit peu. On est à 60% maintenant. Alors, il y a des tendances plus claires qui se dégagent sur le deuxième sondage.
Sur le premier sondage, la part du vélo dans les kilomètres parcourus, c'est assez varié. Première question, à ne pas confondre avec la part modale. Exactement. La question de la part du vélo dans les kilomètres parcourus. Alors, pour la première question, c'est la bonne réponse qui sort en premier avec 23%. Bon, la question n'est pas hyper évidente parce qu'en effet, ce n'est pas des chiffres qu'on a souvent l'habitude de voir, mais c'est un des points de vue importants qu'il faut regarder quand on parle d'émissions de CO2. Comme les émissions de CO2 sont beaucoup proportionnelles au nombre de kilomètres parcourus, il faut qu'on sache un peu où en est le vélo sur ces kilomètres parcourus au total. Et en gros, l'ordre de grandeur, bon, après, il y a des chiffres sur le vélo qui sont pas hyper précis. On n'a pas assez de statistiques précises sur le sujet, mais on est en ordre de grandeur autour de 0,6% des kilomètres parcourus par les Français et les Françaises sur une année. Et puis ça, on y reviendra sur de combien la pratique du vélo aux Pays-Bas est-elle plus élevée qu'en France. C'est à peu près de l'ordre de 10 fois plus élevé aux Pays-Bas qu'en France. On le verra sur quelques critères. Et là, c'est aussi la bonne réponse qui ressortait avec 33% de vote et juste devant 32% de vote pour 15 fois plus élevé. Et donc par modal ou pareil kilomètre parcouru? Eh bien, ça, on va y revenir. Je crois que c'est la toute prochaine slide. Alors, quel potentiel de développement si on se compare, par exemple, aux Pays-Bas, un pays qui a beaucoup développé le vélo, et bien plus que chez nous. Si on regarde en part modale, donc la part modale, en général, elle est comptée en nombre de déplacements. Donc, si on prend l'ensemble des déplacements, quel est le pourcentage de déplacements qui sont faits, pourcentage fait à vélo? Et en France, on est à peu près à 2,7%. Ça, c'est le chiffre qu'il y avait dans l'enquête nationale transport-déplacement de 2008. Et on a des premiers résultats de celle de 2019, où on est toujours à 2,7%. Et sur les chiffres que j'ai pu trouver sur les Pays-Bas, il y a aussi différents chiffres selon les sources, mais ceux qui ont l'air d'être les chiffres officiels, c'est 27% des déplacements aux Pays-Bas, donc pile poil du x10. Visiblement, depuis trois décennies, aux Pays-Bas, c'est à peu près cette part modèle-là pour le vélo. Ensuite, si on regarde en nombre de kilomètres, en France, on est à peu près à 110 km par an et par personne qui sont réalisés en vélo. Donc là, essentiellement pour les usages utilitaires. Si après on rajoute les usages liés au loisirs ou voire à la compétition, au cyclisme, on peut augmenter ces chiffres-là, mais pour les choses qui sont vraiment en lien avec la mobilité, on est du coup sur un équivalent de 0,3 km par jour et par personne en moyenne. En sachant qu'au total, si on compte toute la mobilité des voyageurs, y compris la longue distance, l'aérien, l'international, etc., on est plutôt à 18 000 km. Donc c'est en ça que 110 divisé par 18 000, on est à peu près en ordre de grandeur sur du 0,6%. Et puis, le 0,3 km par jour, on est en ordre de grandeur aussi à 50 km par jour et par personne en moyenne, si on compte tout, y compris la longue distance et l'international. Aux Pays-Bas, les chiffres qu'il y a, c'est qu'ils parcourent à peu près 1000 km par an et par personne en moyenne. Donc, on est bien sur un ordre de grandeur de x10 ou plutôt x9 dans ce cas-là, donc avec à peu près 3 km en moyenne par jour et par personne. Et après, il y a d'autres chiffres qu'on peut retrouver aussi, notamment dans le rapport de l'ADEME de l'année dernière sur l'économie du vélo. C'est que les utilisateurs quotidiens du vélo, en France, on est à peu près à 5%. Aux Pays-Bas, c'est de l'ordre de 43%, et donc à peu près quasiment du x9. Et puis, sur le mode le plus utilisé par la population, pour les Français, c'est le vélo est le mode le plus utilisé d'à peu près 4% de la population. Et aux Pays-Bas, c'est de l'ordre de 35%. De la population, donc quasiment du x9 aussi en ordre de grandeur. Donc ça permet de voir en tout cas un peu quelle est la marge de progression par rapport à une situation déjà existante à l'échelle d'un pays ailleurs et en Europe sur un pays qui est quand même assez similaire par un certain nombre de critères, notamment de niveau de développement par rapport à la France. Si on regarde après sur des études de potentiel de développement du vélo un peu à long terme, il n'y en a pas forcément énormément. Là, c'est une étude que vous connaissez peut-être du Shift Project qui a eu. Donc, ça, c'était sur les zones de moyenne densité. Il y a eu une étude plus récente sur la vallée de la Seine. Là, c'est une étude qui regarde à la fois sur la marche et le vélo, où dans le scénario volontariste, il y avait 3,8 km par jour
et par personne qui étaient parcourus à la fois pour la marche et pour le vélo. Donc, on est un peu au-dessus des Pays-Bas, mais il y a aussi la marche qui est incluse là-dedans. Et donc, le total était multiplié par 4, en gros, sur un scénario en 10 ans qui est extrêmement ambitieux pour avoir participé aussi à cette étude-là. En 10 ans, c'est quand même très dur de faire ce qui est prévu dans l'étude. Mais en tout cas, ça permettait de… Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chiffrage qui est fait en termes de pourcentage des kilomètres parcourus au total, où là, cette fois-ci, on a 18% des kilomètres parcourus pour la mobilité quotidienne uniquement, donc ça ne prend pas en compte les déplacements à longue distance. Et l'effet en termes de baisse des émissions de CO2 sur la mobilité quotidienne, c'est de l'ordre de moins 15%. Donc, si on rajoutait aussi la mobilité longue distance, on serait à un ordre de grandeur de moins 10% lié aux modes actifs, qui est un ordre de grandeur qu'on avait tout à l'heure aussi dans les graphiques que j'ai pu montrer sur les scénarios de prospective, avec plutôt un horizon à 2050. Et puis, un autre ordre de grandeur où on retrouve un peu le x10 qu'on avait sur les Pays-Bas, c'est sur une étude qui a été faite sur l'Île-de-France, où il était regardé donc, par rapport aux déplacements qui étaient faits à vélo en 2010 en Île-de-France, donc c'était 650 000 déplacements qui étaient réalisés à vélo. Et puis ensuite, il y avait un certain nombre de critères qui étaient regardés sur les déplacements actuels pour voir quelle était la proportion qui pouvait être reportée vers le vélo. Ils avaient une hypothèse quand même très conservatrice de trajets uniquement compris entre 1 et 5 km, et où ils identifiaient le fait qu'il y avait 6,6 millions de trajets compatibles avec le vélo sur l'Île-de-France, donc un potentiel de multiplication par 10. Et puis, dans des scénarios, ils mettaient un certain nombre de contraintes, par exemple sur les boucles de déplacement. Si, par exemple, on doit enchaîner plusieurs déplacements, si jamais il y a un accompagnement d'enfants, etc., ça, ils considéraient que c'était des choses pas forcément faisables ou pas forcément faciles en vélo. Du coup, on avait un potentiel de x4 à x8. Identifié dans ces deux études pour montrer un peu des potentiels qui peuvent être identifiés aussi dans la littérature. Donc, quel effet sur les émissions? Pour reprendre un petit peu les chiffres que j'ai pu donner tout à l'heure, donc 0,6% des kilomètres parcourus aujourd'hui, c'est la petite barre bleue qu'on ne voit quasiment pas en bas du graphique sur la gauche. Et après, j'ai regroupé donc l'aérien, la voiture, avec dedans il y a aussi les deux roues motorisées notamment, et puis une autre section avec la marche et les transports en commun. Et si jamais on multipliait par 10 les distances parcourues pour arriver au même niveau que les Pays-Bas, on pourrait en arriver du coup à peu près 6% des kilomètres parcourus pour 2050. Et avec l'hypothèse un peu maximale de se dire que tous les kilomètres nouveaux parcourus à vélo étaient avant réalisés en voiture, donc que tout le report modal vers le vélo se fait depuis la voiture, on arriverait du coup à un potentiel qui serait d'à peu près moins 6% des émissions de CO2 pour la mobilité, donc pour la mobilité des voyageurs, donc hors marchandises, mais y compris ici la longue distance, puisque j'ai laissé le trafic aérien dans cette figure. Donc on en arrive à des choses qui intuitivement ne paraissent pas forcément si élevées que ça, même pour un niveau de croissance du vélo qui est du x10, donc on rejoint les Pays-Bas, quelque chose qui paraît quand même assez massif et pour lequel il faudra quand même un certain temps avant d'arriver à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier ordre de grandeur, mais après, je vais élargir un peu le champ de réflexion pour voir à quel point on peut, si on se projette sur un temps un peu long et avec certaines évolutions par rapport à la manière dont on réfléchit le développement du vélo aujourd'hui, éventuellement aller au-delà de ce potentiel-là. J'ai besoin de reposer des éléments un peu de contexte plus général sur la question de la vitesse des déplacements et l'impact sur les comportements de mobilité pour les analyses suivantes. Donc, je vais basculer vers des éléments un peu plus généraux. Je ne sais pas s'il y a peut-être que j'enchaîne dès maintenant et puis après on pourra prendre les questions une fois que j'aurai déroulé un peu le raisonnement. Ça donc c'est un des chapitres de la thèse aussi qui traite de la vitesse des déplacements pour questionner un peu l'accélération qu'on a eue sur la vitesse des mobilités par le passé, comment ça a pu influencer à la fois les kilomètres qu'on parcourt et du coup les émissions de CO2 parce qu'on a vu que les deux étaient très reliés. Et puis, à quel point, comment ça pourrait évoluer au XXIe siècle, et notamment comment ça pourrait évoluer
si on avait des politiques de transition énergétique très volontaristes, et notamment sur la sobriété dans nos déplacements. Alors, ça demande de regarder un peu, on a déjà évoqué ces questions depuis tout à l'heure, sur quels critères on regarde la part du vélo ou la part des différents modes de transport dans les déplacements. Ce qu'on a pu voir là, c'est le chiffre de 0,6% des kilomètres parcourus en vélo. Mais on peut aussi regarder sur d'autres critères. On a cité le critère du nombre de trajets, donc c'est 2,7%. Et quand on s'intéresse à la question de la vitesse des mobilités, il faut qu'on regarde aussi le critère des temps de déplacement. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'aérien, par exemple, ça fait très très peu de trajets, 0,1% des trajets. Par contre, ça fait beaucoup de distance, 16% de distance parce que ce sont des trajets lointains. Et ce sont des trajets rapides, donc en termes de temps de transport, par contre, c'est moins élevé que le nombre de kilomètres qu'on parcourt en avion. Donc, c'est à peu près 1%. Au contraire, sur les modes actifs, qui sont en particulier la marche, qui est un mode lent, on va être sur un nombre de kilomètres qui va être faible. Donc, c'est essentiellement des trajets de courte distance. Donc, le nombre de kilomètres parcourus en tout en marche à pied est assez faible. Mais par contre, en temps de trajet, ça va être un peu plus d'un cinquième du temps de transport qui est du temps de marche à pied. Et ça, on ne l'a peut-être pas assez en tête dans les politiques de mobilité, parce que sinon, on ferait peut-être plus attention à comment sont traités les piétons dans l'espace public par rapport notamment à l'espace qui est dévolu à la voiture, pour avoir des temps de déplacement qui soient confortables, y compris pour les piétons. Et puis, pour les piétons, encore sur l'autre trajet, sur l'autre critère du nombre de trajets, on est à peu près à 18% pour les trajets uniquement réalisés en marche à pied, en sachant que la marche à pied est aussi utilisée en intermodalité avec les autres modes. Et donc, sur le sujet du vélo, le vélo est à peu près à 2,4% des temps de déplacement au cours du temps. Et donc là, c'est important de garder en tête que selon qu'on regarde la question notamment du report modal, selon un report modal en nombre de kilomètres, en temps de trajet ici ou en nombre de déplacements, eh bien on n'en arrive pas sur les mêmes chiffres, mais pas non plus sur les mêmes potentiels en termes de baisse d'émissions de CO2. Et c'est ce que je vais dérouler aussi un peu par la suite. Pour comprendre un peu l'intérêt de raisonner avec ces trois différents types de critères, je vais faire un peu un recul historique très lointain, un peu plus de 2 siècles, disons. Au moment où on se déplaçait à peu près qu'avec la marche à pied, ou avec les transports attelés qui étaient à une vitesse très faible, aussi à peu près à la vitesse de la marche, et où du coup le nombre de kilomètres parcourus par jour était encore assez faible. Il se trouve que depuis plus de 2 siècles, les deux autres critères sont à peu près stables. En gros, on se déplace toujours en moyenne au sein de la population à peu près 1 heure par jour et par personne. Donc ça, c'est valable dans différents types de sociétés. Au cours du temps, on est à peu près aussi sur des temps assez stables. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la constante ou de la conjecture de Zahavi, qui veut que, en gros, les temps de transport sont à peu près toujours autour de 1 heure par jour et par personne. Ça, c'est un peu un budget de temps de transport qu'on veut bien s'autoriser pour faire notre déplacement. Ensuite, il y a l'autre critère du nombre de trajets. Ça aussi, c'est relativement stable au cours du temps. C'est à peu près de l'ordre de 3 à 4 déplacements qu'on fait en moyenne par jour et par personne. Et ce que nous indiquent du coup ces deux critères-là qui sont à peu près stables au cours du temps, c'est qu'il y a un élément qui est pour passer de l'un à l'autre, donc du nombre de trajets au temps de transport. C'est le temps le temps de transport qu'on passe par trajet, qui est aussi toujours à peu près stable autour de 15 à 20 minutes par trajet. Et ce temps-là, il est à peu près stable aussi selon les différents modes de transport. Donc aussi bien pour nos déplacements en marche à pied, à vélo, en voiture, en gros tous les modes de transport du quotidien, ou le bus, le tramway, etc. On est sur des temps de transport qui sont autour de 15 à 20 minutes par déplacement. Donc ça a été stable depuis à peu près 2 siècles, donc on se déplace toujours à peu près le même nombre de déplacements, toujours à peu près le même temps de déplacement. Par contre, ce qui a énormément changé depuis 2 siècles, c'est qu'avant on se déplaçait de l'ordre de 4 à 5 km par jour, et qu'aujourd'hui, comme je disais, en moyenne on est à peu près à 50 km par jour, et que du coup le nombre de kilomètres parcourus par personne a été multiplié par 10 à 12. Et donc, ce qu'on peut en avoir aussi par rapport au nombre de trajets et au temps de transport qui sont restés constants,
c'est que comme le nombre de trajets est resté à peu près constant, mais qu'on fait 10 fois plus de distance, c'est que la distance moyenne de déplacement a été multipliée par 10 à 12. Donc, c'est là qu'on retrouve toutes les dynamiques d'étalement urbain, etc., de distance domicile-travail qui augmente. Pour la longue distance aussi, on a des distances, on peut faire des voyages de plus en plus lointains. C'est dans ce critère-là de distance de déplacement qui a beaucoup augmenté par le passé. Et ça, c'est lié au fait que la vitesse des déplacements a été multipliée aussi par 10 à 12. C'est qu'avant, donc, on avait des modes de transport qui faisaient, en gros, la marche à pied, disons, 4 km/h. Et du coup, en une heure de transport, on avait le temps de faire à peu près 4 km. Une heure de transport par jour, on faisait 4 km par jour. Et aujourd'hui, on a en moyenne accès à des modes de transport qui nous permettent d'aller quasiment jusqu'à du coup, à 50 km/h en moyenne, tout transport confondu. Et du coup, on peut faire, avec un budget temps de 1 heure par jour et par personne, beaucoup plus de kilomètres. Donc, c'est en ça que la vitesse des déplacements est extrêmement importante. Et du coup, en fait, ce qu'on a... Une des transitions qu'on a faites quand on a remplacé beaucoup du temps de marche à pied par le passé par du temps en voiture, on n'a pas seulement remplacé des trajets de 1 km de marche à pied par des trajets de 1 km en voiture, on a remplacé des trajets de 15 minutes en marche à pied qui nous permettaient de faire 1 km par des trajets de 15 km en voiture qui nous permettent de faire plutôt 10-15 km. Donc c'est en ça que l'augmentation de la vitesse des déplacements et la démocratisation notamment de la voiture nous a permis d'augmenter fortement les distances de déplacement et notamment d'habiter plus loin de son travail, des lieux où on fait des achats, de nos activités, etc. Donc, quand il y a un report modal, ce qui est important de prendre en compte, c'est que le report modal ne se fait pas forcément à distance constante. On a en général tendance à raisonner à distance constante, et c'est ce que j'ai fait dans mes raisonnements précédents. Mais en fait, les changements de comportement de mobilité sont plus complexes que ça. Et quand on change de mode, par exemple, pour aller vers un mode plus rapide, on a tendance à faire plus de distance. Et quand on change de comportement de mobilité pour essayer d'utiliser davantage un mode de plus lent, plus de courte distance, tel que la marche ou le vélo, eh bien, on va avoir tendance justement à relocaliser nos modes de vie. Donc, c'est là qu'on peut identifier, notamment pour le vélo, des potentiels plus intéressants quand on prend en compte aussi cette évolution-là. Il y a une... question de Jean-Baptiste Gernet sur la constante là. Est-ce que il y a deux siècles tout le monde se déplaçait 1 heure par jour, alors qu'aujourd'hui le temps de transport est plus différent entre l'Île-de-France ou une petite ville pour une moyenne stable de 1 heure. C'est quoi la dispersion à l'intérieur de cette constante? Alors la dispersion, en effet, il y a une dispersion suivant les zones géographiques. Par exemple, en Île-de-France, on est plutôt à 75 minutes, 1 heure et quart plutôt que 1 heure. Et après, au sein des villes ou même au sein d'un foyer, où ça, vous pouvez regarder autour de vous, on a des temps de transport qui peuvent être assez contrastés. Donc, cette stabilité ou cette constante, elle peut être regardée qu'à un niveau, un minimum agrégé, quoi. Mais après, elle n'est pas. Il y a des variations assez importantes selon les personnes et du coup, éventuellement, selon les zones géographiques, etc. Mais historiquement, en fait, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'on a multiplié par 10 à 12 les vitesses de déplacement et que, en général, quand on augmente les vitesses de déplacement, on dit tous que c'est pour aller plus vite et avoir des temps de transport moins élevés. Mais historiquement, on a multiplié par 10 à 12 les vitesses de déplacement et on va plutôt vers des temps de transport en légère hausse. Donc, sur les enquêtes nationales transport-déplacement, elles ont plutôt tendance à montrer que les temps de transport augmentent un peu, mais pas dans des proportions énormes. Hein. Ce n'est pas du x10 à x12 comme le nombre de kilomètres parcourus qu'il y a eu historiquement. Mais on est plutôt sur des légères augmentations de quelques minutes d'une enquête à l'autre. Et du coup, sur les dernières décennies, on est plutôt sur une tendance à se déplacer un peu plus en temps de transport, mais pas dans des proportions énormes. Et puis, on se doute bien qu'il y a un peu une limite à ça. Et peut-être que d'ailleurs, la période actuelle où on se déplace beaucoup moins de manière contrainte encouragera peut-être à l'avenir de se déplacer un peu moins, quoi, passer un peu moins de temps dans les transports, mais peut-être de manière un peu plus choisie, notamment si le développement du télétravail se fait sans trop d'effet rebond. J'espère que ça a un peu répondu à la question. Parfait. Si je continue sur la question de la vitesse des déplacements, juste pour donner un éclairage un peu plus précis sur les dernières décennies et sur l'importance qu'il y a eu de l'évolution de cette vitesse,
fais une analyse quantifiée donc, dans le troisième chapitre de ma thèse sur l'évolution de la vitesse moyenne des déplacements en France entre 1960 et 2017. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation jusqu'au début des années 2000 et que depuis, il y a un plateau où il y a, en fait, on retrouve la même baisse, sorte de baisse un peu qu'il y a eu, qu'on voit aussi sur le nombre de kilomètres parcourus. Et en fait, il y a eu un peu un effet de saturation du développement de la mobilité en voiture, où en gros, au bout d'un moment, tellement tout le monde a accès à une voiture et l'utilise au quotidien que finalement, ça ne se développe plus beaucoup comme ça le faisait, par exemple, dans les années 60, où il y a eu une très forte hausse, notamment du nombre de voitures possédées par les ménages. Donc ça, il y a eu un effet de saturation à partir des années 90 et 2000. Et puis, au début des années 2000, sur la vitesse moyenne des déplacements, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu la mise en place des radars qui a fait chuter la vitesse pratiquée sur les routes. Et du coup, la vitesse moyenne des déplacements a baissé à ce moment-là. Et en fait, ça peut être du coup une des explications complémentaires, notamment au fait que le prix du pétrole a augmenté à cette période-là. Mais ça peut être une des explications au fait que le nombre de kilomètres parcourus par jour et par personne a eu un pic aussi au début des années 2000. Et que ce pic du nombre de kilomètres parcourus par personne au début des années 2000 a entraîné aussi une baisse des émissions de CO2. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un lien extrêmement fort entre les variables aussi de vitesse, de kilomètres parcourus et d'émissions de CO2. Et on peut se questionner à l'avenir comment la vitesse va évoluer et du coup comment va évoluer le nombre de kilomètres qu'on parcourt et du coup quelle influence ça aura sur les émissions de CO2. Et pour faire très court, en fait, si dans la stratégie nationale bas carbone, il y a quand même un développement des modes actifs et notamment du vélo, pas forcément au niveau qu'on espérait, mais il y a quand même des hypothèses de croissance du vélo qui sont quand même assez fortes, notamment à court terme. Ça pourrait tendre plutôt vers un ralentissement des mobilités si ces trajets en vélo, notamment, vont remplacer des trajets en voiture qui ne sont pas que dans des zones denses où le vélo est plus rapide, mais aussi dans des zones moins denses où, pour le coup, la voiture est en général quand même plus rapide. Et du coup, en fait, on aurait en tout cas plutôt une stagnation de la vitesse moyenne des déplacements, alors qu'on avait vu qu'il y avait une augmentation des distances qui était prévue par cette stratégie. Donc, si en fait le scénario qui était prévu se réalisait exactement, on aurait eu une hausse des temps de déplacement. Puisqu'à vitesse constante, si on fait plus de kilomètres, eh bien, il faut passer plus de temps pour faire ce surplus de kilomètres. Donc ça, c'est une manière un peu de questionner aussi cette hypothèse de croissance un peu sans fin des kilomètres parcourus. Il y a peut-être un moment, si on arrête d'accélérer les mobilités, si on va vers des mobilités potentiellement un peu plus lentes, qu'on met 110 km/h sur les routes, qu'on se reporte vers les modes actifs, ou encore qu'on fait plus de trajets en proximité, qui en général sont des trajets plus lents, eh bien, il y a des chances que la vitesse moyenne de déplacement arrête d'augmenter à minima, voire même baisse à l'avenir. Donc un certain ralentissement au XXIe siècle, c'est un peu, ça fait écho au titre de ce chapitre que je mettais au début de cette partie. Et puis enfin, ce qu'on peut voir, donc, c'est par rapport au passé où il y avait ces trois courbes qui étaient extrêmement proches, là il y a un découplage extrêmement fort qui est prévu, donc une très forte baisse des émissions de CO2. Tout en continuant à augmenter les kilomètres parcourus, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà sur la question de la vitesse et donc de l'importance dans les kilomètres parcourus, les émissions de CO2. Et donc à l'avenir, ce qu'il faut, si on veut que le potentiel du vélo soit encore au-delà des 6% qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de considérer aussi cette question de la modération des kilomètres parcourus et de ne pas aller toujours plus haut dans ces kilomètres. Donc ça, c'est un graphique avec les différents modes de transport qui sont représentés, le nombre de kilomètres parcourus par jour et par personne en estimation. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts sur la marge sur les premières décennies, vous vous en doutez bien. Il n'y a pas de statistiques précises là-dessus, ni même aujourd'hui d'ailleurs, ce sont que des estimations. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est la très forte hausse du coup, des kilomètres parcourus. Et on voit que le petit trait du vélo en bleu foncé, si jamais le nombre de kilomètres parcourus continue à augmenter, ou si en tout cas c'est un des objectifs qu'on vise, on va avoir du mal à faire à ce que ce vélo représente une part des kilomètres parcourus qui soit très importante. Donc ça pose la question de la modération de la demande ou en gros des modes de vie plus en proximité, de l'aménagement du territoire, de comment essayer de diminuer nos distances domicile-travail, de se relocaliser par rapport à nos activités, d'avoir des activités plus proches, des lieux d'achat aussi qui soient plus proches. Et ça, le vélo peut permettre aussi ce type de changement.
si du coup je regarde maintenant plutôt on que... est juste Maya qui demande aussi si le vieillissement de la population ça peut aller dans le sens de la modération des vitesses et des distances parcourues. Oui, en effet, c'est un des effets c'est un des effets qui peut jouer plutôt à la baisse. Alors il y a deux mouvements un peu contraires sur les populations les plus âgées. Il y a à la fois le fait que la part des personnes âgées dans la population augmente et que comme ces populations-là ont tendance à moins se déplacer, ça va avoir un effet du coup plutôt à la baisse, du coup à la fois sur les vitesses et sur les distances parcourues. Mais ce qui était observé dans la dernière enquête de 2008, et ça faudra voir si ça se confirme avec celle de 2019, on n'a que des enquêtes qui sont assez... assez écarté dans le temps, donc ça c'est pas pratique pour voir les tendances plus de court terme, mais ce qu'on avait observé en 2008, c'est qu'il y avait c'est que les personnes âgées par contre se déplaçaient plus, quoi. Il y avait une augmentation des déplacements chez ces personnes-là, notamment des déplacements de tourisme aussi qui étaient plus importants qu'une décennie plus tôt. Donc ça, il faudra voir aussi à quel point les comportements de mobilité des personnes âgées, notamment des retraités, évolue vers une mobilité plus importante ou pas à l'avenir. Est-ce que quels effets ça aura du coup sur ces sujets de vitesse et de temps de déplacement. Si je refais un peu le même graphique que tout à l'heure sur la multiplication par 10 du vélo, si on prend un peu le potentiel Pays-Bas, si on peut l'appeler comme ça. Mais cette fois-ci, en considérant que donc on passe, donc on avait vu 2,4% des temps de déplacement aujourd'hui à 24% à l'avenir. Là, on est sur quelque chose de plus massif et que tout le temps de transport qu'on passe à vélo, c'est du temps de transport qu'on prend à la voiture, mais potentiellement du coup des trajets qui avant étaient plus longs. Donc en gros, on remplace des fameux trajets de 10-15 km en voiture par des trajets en vélo qui sont en moyenne du coup plus courts. En général, on est à 3-4 km en moyenne sur la distance moyenne des trajets à vélo. Et bien, à ce moment-là, on se retrouve avec un potentiel où le vélo permet simultanément donc, de reporter une partie des kilomètres parcourus vers le vélo, une partie des kilomètres depuis la voiture vers le vélo, mais aussi de participer à la baisse du nombre total de kilomètres parcourus. Donc, en gros, le vélo devient un outil aussi de modération de la demande de transport. Les gens veulent se mettre au vélo et du coup avoir des déplacements du quotidien qui soient davantage compatibles avec l'usage du vélo. Et du coup, ils essaient de relocaliser leur mode de vie pour trouver par exemple un travail ou des lieux d'achat ou des lieux d'activité qui sont plus proches de chez eux. Et à ce moment-là, le potentiel qui peut être identifié est bien plus important. Parce que du coup, en gros, ça permet de... Donc là, c'est un peu du calcul d'ordre de grandeur pour illustrer mon propos. Mais en gros, on se retrouve avec une diminution de en gros 35% de la mobilité en voiture. Et du coup, si on prend les émissions de l'ensemble de la mobilité, cette évolution-là de transférer des trajets assez longs en voiture vers des trajets plus courts en vélo, ça représente un potentiel de baisse d'émissions de l'ordre de moins 25% pour l'ensemble de la mobilité et encore plus d'ailleurs si on considérait uniquement la mobilité du quotidien. Donc là, ça, le principal message là-dedans, c'est de dire qu'il faut penser aussi le développement des modes actifs de la marche en particulier et du vélo aussi vers une réduction des distances de déplacement et des modes de vie plus en proximité, sinon on n'arrive pas à avoir un potentiel de réduction des émissions de CO2 aussi important que si on fait les deux à la fois. Donc voilà un peu sur ces éléments d'essayer de faire du vélo un outil de modération aussi de la demande et des distances parcourues, qui est un des leviers importants qui aujourd'hui est peu pris en compte dans les politiques publiques et dans la stratégie nationale bas carbone, comme on l'a vu, mais qui pourrait être un élément beaucoup plus important en termes de baisse des émissions de CO2 à l'avenir. Ensuite, si on regarde donc à la fois, si jamais on veut un potentiel encore plus important que ce qui était identifié dans le 6% de tout à l'heure, il y a réussir à faire en sorte qu'il y ait plus de trajets courts qui puissent être faits en vélo, et puis aussi essayer de détendre la zone de pertinence du vélo vers des distances plus élevées. Donc, notamment avec l'intermodalité, par exemple avec le train, où on sait que sur la mobilité, par exemple sur le stationnement vélo en gare, sur lequel il y a
le principal potentiel de massification pour les trajets du quotidien. En gros, sur les études qui avaient été faites sur les usagers de consignes sécurisées de vélos en gare, c'est de l'ordre de 12 à 20% de ces usagers-là qui, avant, ne prenaient pas le train. Donc, en gros, ils ont remplacé un trajet en voiture, notamment, par un trajet en vélo plus train. Donc ça, ça montre que le vélo, si jamais on met du stationnement sécurisé en gare, ça encourage les usagers à prendre le train. Et donc, ça permet d'agir aussi, d'avoir une interaction positive avec un autre levier du report modal, qui est celui du report modal vers le transport ferroviaire, pour des distances un peu plus longues. Et puis aussi, un autre élément que je présente ici, c'est que sur ce graphique, on voit que sur une enquête qui avait été réalisée, où selon les modes de transport, les modes de déplacement privilégiés par la population au quotidien, on leur demandait quel mode de déplacement utilisez-vous le plus souvent pour la longue distance. Donc, à la fois, mince, il manque une partie de la légende, je suis désolé, il y avait à la fois soit pour partir en vacances, soit pour aller voir des amis, ou il me semble que le dernier, c'était pour les loisirs. Et donc, on voit qu'entre l'ensemble de la population et la population cycliste, eh bien, la population de cyclistes du quotidien a plus facilement tendance à répondre que leur mode de transport privilégié sur la longue distance est le train par rapport à la moyenne de la population de l'ensemble des usagers. Donc ça montre que les cyclistes, en général, ont des comportements plus vertueux aussi sur la longue distance, potentiellement parce qu'ils sont... ils sont moins motorisés, donc il y a une partie des cyclistes, s'ils n'ont pas de voiture, mais sur la longue distance, ils vont trouver des modes de transport alternatifs à la voiture, ou bien une certaine habitude, ou en tout cas ne pas avoir le réflexe voiture à chaque fois qu'il y a un déplacement à faire, ou bien éventuellement une conscience écologique qui pourrait peut-être être marquée du coup à la fois pour le quotidien, utiliser le vélo et le train sur la longue distance. Et donc ça, c'est un effet aussi qu'il faut essayer de renforcer, donc de à la fois aller vers des transports du quotidien qui soient vertueux, mais aussi sur la longue distance, et notamment via l'intermodalité, soit en gare, soit avec de l'emport du vélo, par exemple pour le cyclotourisme, et bien de réussir aussi à décarboner les trajets de plus longue distance. Un autre élément pour éventuellement essayer d'accélérer aussi le vélo et du coup de pouvoir remplacer des trajets de plus longue distance, c'est éventuellement d'aller regarder du côté de ce que Frédéric Errand, avec qui on a écrit un article sur le sujet, de ce que Frédéric Errand appelle les modes intermédiaires entre le vélo et la voiture, pour par exemple développer à la fois la vélo assistance électrique, n'est pas là-dessus, mais on voit bien que c'est des usages qui sont pour des distances un peu plus longues, pour des publics qui n'utilisaient pas forcément le vélo classique, qui permettent d'aller chercher d'autres trajets que ceux uniquement pris par le vélo classique. Si on développe après des véhicules du type vélo mobile qui vont aussi plus vite, du type speed pédalec également, qui ne sont pas forcément ici, mais qui par exemple dans des zones peu denses peuvent avoir leur intérêt, on peut aller chercher du coup des trajets qui sont aujourd'hui réalisés en voiture sur des distances qui sont plus élevées. Donc ça, c'est encore un autre moyen d'augmenter encore le potentiel du vélo ou de véhicules, en tout cas, qui ressemblent au moins en partie à des vélos. Parce qu'après, il y a certains modes intermédiaires qui sont un peu plus proches de la voiture, mais de voitures très légères. Et puis ensuite, ça répondra à la question qui a été posée tout à l'heure sur la part des émissions qui est liée à la production du véhicule ou à l'utilisation du véhicule entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Donc ça, ce sont les émissions d'une voiture, en gros, sur l'ensemble de son cycle de vie, donc en gros 150 000 km, en tenant compte à la fois de la production du véhicule. Donc on voit que pour le véhicule thermique, c'est en gros 3,5 tonnes d'équivalent CO2, et ensuite tout l'usage qui représente la majeure partie des émissions de CO2 du cycle de vie de la voiture au pétrole. Et ce qu'on voit, c'est que sur la voiture électrique, bon déjà la bonne nouvelle, c'est qu'elle est quand même moins émettrice que la voiture thermique en analyse de cycle de vie. Mais là, en tout cas, sa production est plus émettrice de gaz à effet de serre. C'est quoi le mix énergétique duquel tu fais référence pour l'utilisation là ? Là, pour l'utilisation, c'est une analyse de cycle de vie qui est réalisée en France. Donc, c'est le mix énergétique moyen français. Donc, majoritairement nucléaire, du renouvelable et un petit peu de fossile.
Et le problème de la voiture électrique, c'est que par contre, à la production, elle est plus émettrice, et notamment liée à la fabrication de la batterie, qui en gros multiplie quasiment par deux la phase de production du véhicule. Et en fait, ça nous indique quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un parc de véhicules qui est majoritairement thermique, le gros enjeu CO2 auquel s'attaquer, c'est essentiellement de faire que les voitures roulent moins de kilomètres. Mais à l'avenir, comme la stratégie nationale bas carbone se repose essentiellement sur le fait qu'on passera au tout électrique, en gros, et bien de plus en plus, le sujet sera aussi de limiter le nombre de véhicules qui seront vendus, parce que beaucoup des émissions sont liées à la production du véhicule. Et à ce moment-là, c'est là aussi que le vélo peut inciter à la démotorisation. On le voit notamment sur des enquêtes sur les aides à l'achat, sur les vélos assistance électrique, sur les systèmes de location longue durée. Ça encourage une partie des usagers à soit se séparer de leur deuxième véhicule, voire même à complètement se démotoriser. Et à ce moment-là, en termes d'impact climatique, ce sera des changements de comportement qui seront de plus en plus importants à l'avenir, puisque ça permettra d'éviter davantage d'émissions à la production des véhicules, qui en gros, pour un véhicule électrique, représente à peu près 3/4 des émissions sur son cycle de vie complet. Alors que pour le véhicule thermique, c'est plutôt autour de 15-20%. Et sinon, j'en arrive bientôt à la fin de la présentation. Je suis à l'avant-dernière slide. Pour donner du positif sur le critère du vélo, ça c'est sur le sujet du vélo. Parce que là, j'ai beaucoup parlé de CO2 et d'impact climat. Il n'y a bien évidemment pas du tout que ça en termes d'impact environnementaux ou en termes d'intérêt pour développer le sujet du vélo. Ça, j'ai essayé de regarder par rapport à toutes les mesures qui étaient citées dans les scénarios de prospective, donc sur les 5 différents critères. Quels étaient leurs impacts en termes de soit impact ou bénéfice sur les externalités des transports. Donc, en listant à la fois, est-ce que ça permet de réduire les consommations d'énergie de manière générale, d'énergie fossile, la pollution atmosphérique, les autres impacts environnementaux, les consommations de métaux, le bruit, la congestion routière, la consommation d'espace, etc. etc. Et ce qu'on repère sur toutes les évolutions qui sont préconisées par les scénarios de prospective, c'est que le plus de vélos, c'est la case qui apparaît le plus en vert, avec des co-bénéfices donc extrêmement forts sur un très grand nombre d'externalités. En gros, sur quasiment toutes, il y a un point d'interrogation sur l'accidentologie selon comment on regarde la question. Est-ce qu'on regarde en comparé à d'autres modes, ou est-ce qu'on considère aussi l'effet lié au nombre? Ou plus il y a de vélos, ben moins il y a de dangerosité. Donc, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation ici. Mais sinon, sur le vélo, sur quasiment toutes les externalités, on est sur des co-bénéfices très importants. Donc, c'est forcément une des raisons majeures, au-delà des impacts climatiques que j'ai pu évoquer pendant la présentation, de développer le sujet du vélo. Et sur les principaux enseignements, principaux messages, ou un peu quelques petits éléments en particulier que je voulais mettre en avant. Donc, il y a à la fois le fait que la place du vélo aujourd'hui en France est assez faible. Donc, on est sur 2,7% des déplacements, c'était 2,4% du temps de déplacement, et puis 0,6% des kilomètres. On a un potentiel de multiplication par 10 si on se compare aux Pays-Bas, mais on pourrait encore aller plus loin si on considère d'autres éléments que je montrerai après. Donc un peu ce côté passé de 110 km à 1000 km par an, avec un effet direct de -5 à -6% sur les émissions. Et puis si on veut renforcer ce potentiel, eh bien, il faut combiner le développement du vélo avec d'autres évolutions, notamment la modération des distances de déplacement, donc via l'aménagement, via des modes de vie plus en proximité, donc un peu des changements de comportement de mobilité aussi, des changements dans les modes de vie de manière assez globale. Après, il y a d'essayer d'aller attraper aussi des trajets de moyenne, voire de longue distance, en se combinant à d'autres modes, donc via l'intermodalité, en développant des véhicules potentiellement plus rapides ou qui permettent d'aller plus loin de manière plus confortable avec les modes intermédiaires, ou avec des pratiques qui permettent de faire des trajets de plus longue distance, typiquement de faire du cyclotourisme pour ses vacances plutôt que de partir en avion. Et à ce moment-là, ça permet de remplacer un trajet de très longue distance par un trajet à vélo. Et puis, ensuite, un potentiel qui peut être renforcé aussi via la démotorisation des ménages, donc un sujet qui va être de plus en plus important avec le passage aux véhicules électriques. Et puis enfin, l'évolution, en tout cas sur la transition énergétique, qui, sur le secteur des transports, présente le plus de co-bénéfices pour la société, donc à la fois sur la santé,
le bruit, le fait que c'est sobre en ressources, en espace, non polluant, peu coûteux, résilient, etc. etc. Donc voilà, un mode de transport à développer. Je m'arrête là-dessus pour la présentation. Il y aura la présentation, donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, il y aura le lien vers le document de thèse aussi. Et puis, pour le temps qui reste, j'ai été bien bavard, mais il reste quelques minutes pour les questions. D'abord, merci beaucoup Aurélien. Il y a un taux de perte extrêmement faible pour un webinaire. On a commencé à 80, on est 76, 75 là. Donc, je pense que tu as été passionnant. Il y a pas mal de questions. Vu qu'il est déjà assez tard, je te fais une présélection et à la limite, tu peux toi-même sélectionner à l'intérieur en fonction de ce qui te semble le plus pertinent. Il y a une question de Guillaume de Pamiers sur lui formule l'hypothèse que rien ne bougera tant que le pétrole sera abondant et peu cher, en gros. Et donc, il n'y a pas vraiment d'espoir à moins que le pétrole disparaisse ou soit trop compliqué à exploiter. Et donc, une décarbonation contrainte, quoi. Comment tu te positionnes un peu face à ce scénario, worst case scénario. Robin pose la question de prendre l'exemple sur les Pays-Bas où certes il y a 27% de part modale vélo, mais aussi des trajets longue distance réalisés en mode motorisé et donc pas forcément un impact climatique beaucoup plus favorable. Est-ce qu'il faut vraiment les prendre en modèle? Et puis Romain pose une question un peu général sur l'articulation entre la stratégie nationale bas carbone qui prévoit donc une hausse de la demande des transports qui semble donc complètement absurde si on a bien suivi ton exposé et comment ça peut s'articuler avec du coup les politiques locales d'aménagement, enfin ce conflit entre le local qui a la compétence urbanisme et le national qui continue à tabler sur une hausse de la demande des transports. Voilà, tu n'es pas obligé de répondre à tout, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole ensuite à l'oral, donc si on a le temps on pourra faire ça. Ok, ça marche. Sur le rien ne bouge tant que le pétrole est peu cher, à la fois oui et non, c'est sûr que si jamais la taxe carbone avait été mise en place de manière acceptable, je pense que ce serait une aide assez précieuse pour la transition énergétique. On voit bien, en tout cas, quand on regarde le passé, que la hausse du prix du pétrole a un impact important sur le nombre de kilomètres qu'on fait, sur les comportements de mobilité. Donc, c'est une incitation qui est intéressante. Après, le problème du fait que ça a un impact sur les comportements de mobilité, c'est que si on impacte des personnes qui n'ont pas d'autre choix, et ça a été tout le débat sur la taxe carbone, et que ce sont des personnes vulnérables d'un point de vue financier, eh bien, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas souhaitable même tout court. Je pense après, il y a plein d'autres leviers qui existent. Et après, on pourrait aussi évoquer le fait que l'avenir du pétrole, dans tous les cas, n'est pas un avenir tout tracé et sur lequel il reste énormément de réserves exploitables à court terme et à moindre coût. Donc, les effets de la crise aussi de la crise Covid sur le marché du pétrole, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins d'investissements sur l'exploration, sur l'exploitation pétrolière. Et que du coup, il y a un risque aussi que dans les années à venir, avec moins d'investissements, il y ait moins de production et qu'on se retrouve de nouveau avec une augmentation des prix du pétrole. Ça, ce n'est pas un pari que je fais parce que parier sur le prix du pétrole et son évolution, c'est très, très risqué. Ça ne fait jamais vraiment ce qu'on prévoit. Mais c'est un scénario qu'il faut considérer parce qu'on voit bien que quand le prix du pétrole augmente fortement, on se retrouve vraiment dans une situation de vulnérabilité importante, sachant que quasiment tous nos transports aujourd'hui fonctionnent avec cette énergie-là. Mais après, on voit bien que, en tout cas, il y a une conjonction de plusieurs enjeux en même temps. C'est un peu ce que montre le tableau précédent. C'est qu'il y a tellement de raisons d'agir, par exemple sur le sujet du vélo en particulier, parce que ça agit sur plein d'externalités en même temps, mais même sur les autres sujets de limitation du poids des véhicules, de baisse de vitesse sur les routes les plus rapides, etc. Il y a l'enjeu climatique, il y a l'enjeu de limitation des ressources, il y a l'enjeu de la pollution atmosphérique, il y a des enjeux de qualité de vie en ville. Et tout ça, ça peut donner des raisons suffisantes pour agir et pour que les choses avancent dans l'eau. Et en l'occurrence, on voit qu'il y a des choses qui avancent beaucoup trop lentement, mais il y a quand même une certaine dynamique sur certains sujets, et je pense que le vélo quand même illustre bien ça, avec quand même
Moi, je suis arrivé dans le sujet de la mobilité en particulier il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 5 ans que j'ai commencé mon stage de fin d'études, puis ensuite ma thèse sur le sujet. Dans les conférences, j'étais toujours hyper agacé de voir qu'on pouvait discuter pendant 2 heures de transport sans jamais citer le sujet du vélo. Et quand il était cité, c'était pour dire oui, il faut penser aussi qu'il y a quand même le vélo. Et puis la moitié du temps, c'était traité un peu avec dérision. Mais je pense que le sujet est arrivé dans les conférences sur les transports depuis bien 2-3 ans maintenant. Et puis, on voit que les politiques publiques s'en saisissent quand même davantage, même si ce n'est pas au niveau souhaité. Hein. Mais c'est quand même des progrès assez significatifs qui peuvent quand même donner un peu d'espoir pour la suite. Après, sur la deuxième question sur l'exemple des Pays-Bas, je l'ai justement pris aussi pour appuyer mon message suivant, qui était de dire qu'il faut aussi penser la réduction des distances de déplacement. En l'occurrence, sur les chiffres qui sont donnés par les chiffres sur les Pays-Bas, c'est qu'en gros, le vélo représente 8% des kilomètres parcourus aux Pays-Bas. Donc, on retrouve un ordre de grandeur à peu près similaire au x10 que je faisais, où en France, on arrivait à 6% en comptant l'aérien international. Sans compter l'aérien international, on serait proche du 8%. Et ça montre bien que si jamais tout le reste des distances parcourues, ce sont des distances parcourues avec des voitures thermiques, et bien en termes d'émissions de CO2, on reste à des choses extrêmement fortes, et que du coup, même si c'est énorme, faire x10 sur la pratique du vélo, ce ne sera pas suffisant pour autant sur la transition énergétique pour réduire fortement nos émissions. Et donc, c'est là que c'est important aussi pour aller plus loin de réduire les distances de déplacement, mais aussi de développer d'autres types de véhicules ou l'intermodalité, comme je le disais, pour que le vélo participe aussi à rendre plus vertueux nos déplacements de moyenne et de longue distance, qui idéalement, il faudrait les reporter vers des trajets de plus courte distance, mais comme toute notre organisation, tout notre aménagement du territoire, nos comportements sont un peu câblés sur cette vitesse des mobilités à laquelle on s'est habitué. On ne va pas pouvoir tout transférer pour autant sur les modes actifs, même si ce serait quelque chose de souhaitable. Et à ce moment-là, c'est important de ne pas se contenter de SUV qui soient aussi bien thermiques qu'électriques, qui ont des impacts environnementaux et puis des impacts de consommation d'espace, d'accidentologie, etc., qui sont importants. Donc, je suis d'accord que les Pays-Bas ne sont pas un exemple parfait, en tout cas. Et qu'il faut penser l'évolution et le développement du vélo dans un contexte plus global que juste remplacer des déplacements de courte distance par du vélo. Et puis, sur l'articulation de la stratégie nationale bas carbone avec les politiques publiques d'aménagement au niveau plus local, en effet, c'est un des enjeux, en fait. Là, je pourrais renvoyer au rapport au pluriel du Haut Conseil pour le climat qui pointe les incohérences entre les objectifs climatiques et puis les politiques publiques réellement mises en œuvre. Leur premier rapport avait un titre que je trouve tout à fait adapté, qui s'appelait « Agir en cohérence avec les ambitions ». C'est exactement ça l'enjeu sur le changement climatique, c'est qu'on a des ambitions à la hauteur, mais pas des politiques publiques qui sont alignées. Et le passage du niveau, déjà l'État n'est pas forcément à la hauteur, comme on a pu le voir notamment sur le secteur des transports, mais après la déclinaison au niveau territorial et aussi un chaînon un peu manquant. Et après, sur les politiques d'aménagement, le problème, en fait, c'est que la première des choses à faire, c'est avoir un objectif de modération de la demande de transport. On voit que c'est un des leviers qui est cité par la stratégie nationale bas carbone, mais que même dans l'objectif, même dans leur scénario idéal chiffré qu'on pose sur un papier, la demande continue à augmenter. Et à partir du moment où on a ce type d'idéal qu'on projette pour l'avenir, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire des politiques d'aménagement qui visent la réduction des distances, si jamais ce n'est pas leur objectif. Donc je pense que là, le problème, c'est qu'il y a presque un débat de fond sur la direction à prendre. Et je pense que c'est ce débat-là que j'essaie de mettre en avant moi quand on voit que par le passé ça a été un facteur majeur, que ça l'est encore sur ces années-là et que ça le sera encore dans les toutes prochaines années au moins, tant que le parc de véhicules n'est pas décarboné. Et je vois qu'on en est à 20h01, donc j'ai peut-être m'arrêter là.
Après, enfin, on pourra envoyer aussi ton contact, Aurélien, et je pense que Ouais, s'il y en a qui ont il besoin est de... déjà visible en bas de cette slide Je vous le renverrai voilà. en même temps que le lien de l'enregistrement. Désolée donc pour toutes les questions, enfin pour les questions qui n'ont pas pu être répondues, mais n'hésitez pas à reposer votre question éventuellement à Aurélien. Ben, merci beaucoup Aurélien pour ta présentation, c'était super intéressant et je pense que ça a bien plu. Je vous ai envoyé à tous et toutes un questionnaire pour évaluer ce webinaire. Enfin, en fait, c'est surtout pour donner un peu votre avis sur le format et aussi sur le fond. Ça permettra à Aurélien de prendre en compte les remarques pour ses prochains webinaires. Merci beaucoup. Donc, vous recevrez le lien d'ici un ou deux jours pour voir l'enregistrement et bien sûr le support de présentation pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de tout noter à toute vitesse. Voilà. Et merci. Oui. Une question en plus, là, si dans l'audience, il y a des gens qui ont pris des notes de manière attentive et qui souhaitent rédiger un article qu'on pourrait publier soit sur le site de la FUB ou sur ActuVélo, ou voilà, dans les publications internes du réseau, je pense que ce qu'on a appris là mérite d'être partagé avec tous les militants au vélo, ou en tout cas les personnes qui se soucient de la question des transports. Donc, si quelqu'un a envie de faire ça, qu'il n'hésite pas et qu'il le transmette à Juliette, on pourra voir si on peut le publier quelque part. Merci. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Et ben, bonne soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Merci.